Putain, j'ai coupé le mien. On y va, On y va. Alors, la première question, quel effet vous a fait à la première démarche Voilà, alors, la première question, quel effet vous a fait la première lecture de Céline au Régal de l'Hermine Il y a deux, mots, deux, deux expressions qui m'ont frappé. Vous parlez euh, de père euh, et vous dites que vous employez le mot pétrifié après la lecture de Céline. Est-ce que vous pouvez développer Moi, je n'avais jamais rien lu. Euh, rien que des bandes dessinées. C'est mon père qui m'a dit un jour il faudrait quand même que tu utilises autre chose que des bandes dessinées. Euh, bah, J'ai dit d'accord, quoi ah, Mais bah, Céline, c'était lui, c'était son, son idole. Euh, depuis depuis toujours, depuis euh, qu'il avait découvert lui-même à Marseille euh, dans les années à la fin des années 40. Et le premier livre que j'ai pris, c'était Rigaudon. Voilà, donc c'est le dernier que Céline a écrit, comme vous savez. Et là, j'ai eu c'est ce, ce, même pas vraiment un choc puisque c'était totalement accordé à la musique qu'on écoutait chez moi, c'est-à-dire le jazz. Tout à coup, j'ai vu de, de, du jazz écrit. Voilà, c'est donc c'était, j'étais complètement dans mon élément. C'est exactement euh, la, la, la musique qu'on écoutait euh, chez nous toute la journée, puisque mon père est musicien de jazz, il travaillait là-dedans tout le temps. Donc euh, c'était du Monk, quoi, ou du Charlie Parker. Voilà. Donc j'essaie surtout, le, évidemment, le style. Quand j'ai lu Origodon, il y a plein de, de références qui me sont passées au-dessus. Je ne pouvais pas tout savoir de l'histoire et, et même de lui, etc. Puis après, j'ai enchaîné tous les autres, un peu dans le désordre. Et puis en quelques, en quelques mois, je dirais, euh, je suis devenu sélinien. Comment est-ce que vous définiriez justement le style? Cette émotion, quand on le lit, selon vous Parce qu'il a tout. -dire qu Il y a des écrivains qui ont une partie, ils ont l'humour, ils ont mais ils n'ont pas la tragédie. Il y en a qui ont le, le, beaucoup de profondeur, mais à la fois, c'est un peu lourd. D'autres sont très légers, ils tombent dans une sorte de superficialité. D'autres écrivent pour ne pas dire grand-chose, mais ils ont des belles formules. Vous voyez donc, il y a toujours quelque chose qui. Il y a toujours une partie de la littérature, c'est comme, comme un bloc. Euh, et il y en a certains qui, qui sculptent dans un, un endroit du bloc, qui font des petites, des petites variations, ils font des petites. des, petites, des arabesques, quoi, des, des, des dessins sur le bloc. Lui, il prend le bloc entier de la littérature et il le sculpte en entier. Et ça, c'est très impressionnant. est ce que c'est, selon vous C'est pas un grand écrivain, c'est peu dire. C'est pas un grand écrivain. Est-ce est, est, est que Shakespeare est un grand écrivain Vous voyez Pour moi, il, il y en a trois. Hein. Il y a Shakespeare, dostoïevski et Céline. Donc après ça, c'est très très difficile. D'ailleurs, Oscar Wilde le disait lui-même. Quand il parlait pas de Céline, puisqu'il ne le connaissait pas, mais il parlait de, de deux, des deux premiers il disait après, il ne nous reste que les virgules. Oscar, il disait ça, et voilà, c'était pas un abruti non plus. Donc, et à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence. Euh, on est plus, on, on est, on est au-delà de, du grand écrivain. C'est quelqu'un pour pour aller très vite, qui réinvente la vie et le langage qui va avec ou qui devrait aller avec. Et quelle place vous lui donnez alors dans XXe bah, la littérature du 20 siècle La seule, la première. Ouais. pas seulement dans le 20 siècle d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne peut, peut pas le juger avec des critères d'écrivain de, de son le époque. Premier, premier, oui, pardon. Alors, euh, la place qu'il a dans le XXe siècle, c'est la, la seule, c'est la première. Et on ne on peut, euh, peut pas le comparer à ses contemporains. Il est incomparable. Voilà. Revenons à Shakespeare. Shakespeare, il est comparable à qui À Ben Jonson. Voilà, bah d'accord, mais bon. Il y en a deux comme ça, trois, quatre, peut-être non, qui peuvent circuler. Mais euh, le grand écrivain anglais, euh, pour l'éternité, pour c'est Shakespeare. Voilà, ben, c'est pareil. D'ailleurs, il s'est beaucoup influencé de Shakespeare. Et si je parle de ces deux-là aussi, c'est pas pour rien, parce qu'on si parle de littérature, vraiment strictement sur le plan littéraire. Euh, si vous lisez la lettre qu'il a envoyée à Gallimard, qu'on a, qu a jugée après, un peu a posteriori, un peu prétentieuse, en tout cas très sûre de lui, où il dit qu il veut, que si Gallimard publie ça, ils, ils auront le Goncourt, etc. Il parle, il dit, c'est une sorte de Dostoyevskisme. Il fait ça quand même, euh, une des rares références qu'il fait dans sa propre lettre. Pour moi, la lettre que Céline envoie... À, à Gallimard pour proposer euh, son manuscrit est la meilleure critique du voyage au bout de la nuit. Il y en a pas d'autres, hein. même s'il y a eu des grands textes après qu'on connaît de Daudet, Bernanos, etc. Mais c'est quand même toujours l'écrivain qui est le mieux, euh, le mieux euh, placé pour parler de ce qu'il fait. Mais ça, c'est vraiment, euh, c'est mal vu aujourd'hui. Ben c'est ça, il parle de Dostoïevskisme. Il y a plein de choses qu'il dit, très très intéressantes, sur, sur la façon dont, 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 dont le voyage est construit, tout ça. Vous euh, lisez-la, vous verrez. Mais là, il parle de « ça m'avait marqué », c'est assez rare de faire cette référence et même d'inventer un mot. Est-ce que dans les années 30, le Dostoïevskisme était, était déjà euh, intégré comme tel dans les, dans les références littéraires Pas sûr. Est-ce que la formule où il parlait une symphonie Oui. Oui. Oui, oui, il y a la symphonie aussi, c'est vrai. Il y a aussi, le, le, il y a aussi le, la, le, la référence à la symphonie. Mais ça, c'est son côté beethovenien. Oui, oui, on en reparlera si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la présentation traditionnelle qu'on fait de Céline Grand écrivain, alors on va dire peut-être génial, écrivain, unique, écrivain, pour vous, doublé d'un salaud. Absurde. Alors, le grand cliché. Et d'ailleurs, qui est de, de plus en plus présent, c'est ça, ça serait, donc ce serait utile en effet de le, de le, de, de le démonter, c'est de dire c'est un génie et un salaud. Et il va falloir s'arranger avec ça, parce que d'un côté vous avez le génie, d'un côté vous avez le salaud, et oui, ça arrive, un génie peut être un salaud ou un salaud peut être un génie. Voilà, ça c'est tellement à la fois facile et c'est surtout très faux. Moi je dis qu'un génie ne peut pas être un salaud. Donc c'est à eux de se démerder pour essayer de prouver le contraire. Donc Céline n'est pas un salaud puisque c'est un génie. Soyons logiques. Voilà. Donc, euh, c'est un, un, euh, une espèce d'aporie, si vous voulez. Voilà. Céline ne peut pas être un salaud puisque c'est un génie. Alors, arrêtons de dire que d'un côté, il y a l'un et d'un autre côté, il y a l'autre. On ne passe pas d'un Céline l'autre, si vous voulez. voyez et Comment vous expliquez le tollé provoqué par les autorités qui ont voulu célébrer nationalement euh, Céline et qui se sont fait quand même renvoyer dans, dans, dans leur but à l'occasion du, du cinquantenaire est-ce que vous pensez qu'en fait euh, on peut célébrer nationalement Céline non, c'est très bien comme ça on ne peut pas célébrer nationalement Céline républicainement Céline on va dire ah, c'est très bien, c'est tout à fait très bien Moi, je suis. Euh... d'ailleurs euh, je trouve que ça part d'un très bon euh, sentiment même de la part de Frédéric Mitterrand qui a essayé au moins de le faire passer alors après, j'imagine que ce n'est pas du tout euh, de gaîté de cœur qu'il est revenu et qu'il qu s'est laissé euh, prendre pour un dégonflé auprès de tout le monde, mais il a quand même essayé. Euh, quant à Klarsfeld, euh, lui-même, il est dans son rôle. Euh, il était évidemment pas, pas très étonnant euh, qu'un Klarsfeld de, de, essaye de tout faire pour empêcher ça, euh, vu, vu son histoire. En revanche, le, les, les Célineiens, c'est-à-dire ceux qui, à la suite, se sont, se sont offusqués de ça, euh, et qui ont répété le fameux cliché, oui, d'un côté il y a le, le, le génial écrivain, de l'autre il y a le salaud, et il faut savoir faire la part des choses, comme, comme on a pu lire dans la, la, la préface du, du, euh, du catalogue de, de ces célébrations. C'est eux, à, à mon avis, qui sont à incriminer. Parce que d'un côté, ils rêvaient finalement quoi à une, à une reconnaissance, à une consécration officielle, ce qui est absolument contraire avec Céline. Donc que penser de, de, de Célinean professionnel qui, qui travaille sur la question depuis des, 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 des dizaines d'années et qui rêve au fond d'eux finalement d'une bonne vieille consécration à la française pour un, pour un, 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 un génial artiste de cet ordre voilà c'est eux qui, ont, qui sont dans leur tort surtout quand ils essayent d'excuser Céline oui mais quand même c'est quand même il est quand même génial tout en étant salaud pour se protéger voyez oui, M Clarswell lui n'est pas du tout là dedans c'est pour ça que finalement je vous dis il est, il est tout à fait plus dans son rôle que ne le sont les Célineans je rappelle que Clars fed avait lu Le la nuit avant Henri Godard. Ils étaient tous les deux condisciples. Vous le savez, ça. Ils étaient étudiants ensemble. Donc, euh, donc, en voilà. Donc, euh, c'est c'est ça. Vous voyez, c'est ça. plus compliqué que ça. De toute façon, d'une manière générale. D'ailleurs, c'est quelque chose de très euh, euh, de très propre à la, au destin. Euh, Entume et posthume de Céline, c'est que ceux qui croient être les plus proches, le, le, ceux qui sont les spécialistes de Céline, sont ceux qui lui font le plus de mal. Ça, c'est mon avis. Alors que les ennemis euh, tranchés, véridiques et, et, et sincères euh, ne, ne font que le faire grandir. Vous voyez Grâce à Clarsfeld, l'année 2011 a pris un, un, un essor merveilleux. Alors que si elle était restée euh, au niveau des Godard, Brami euh, et toute la, toute la bande de, de, de Céline, Luchini, etc., euh, ça serait été complètement euh, plat, quoi. Alors est-ce qu'on peut dire que euh, de Céline, à propos du voyage, <coughs> qu'il a dénoncé euh, le premier l'état de son temps comme, comme personne ne l'avait fait, c'est-à-dire le, le colonialisme, le fordisme, euh, la misère des petites gens, les la crise du capitalisme et la guerre naturellement. Oui. Oui, mais mais ça c'est assez classique. Oui, avec le voyage il a dénoncé tout ça, on sait tout on sait tout ça colonialisme, l'époque et tout, mais c'est pas ça, ça c'est ce sont ce sont des thèmes. Il faut il faut voir Céline comme un improvisateur. C'est pour ça que, je, je, pour moi, je reste sur la... Toujours, ce n'est pas une métaphore, c'est quelque chose de, de, de vraiment senti. D'ailleurs, lui-même, il félicitait Morand d'avoir euh, jazzé la langue française, mais ça pourrait s'appliquer à lui. Euh, et il ne savait pas tout ça, évidemment. Il n'était pas du tout euh, euh, féru de, de, de jazz. Mais les, les, ça fait partie des, des révolutions du XXe siècle. C'est-à-dire prendre un thème et improviser dessus. C'est exactement ce qu'il fait. Alors après, il retravaille son improvisation, parce que c'est de la littérature et pas de la musique, mais c'est la même chose. Euh, ce qui est étonnant dans le voyage, c'est que tous les thèmes, euh, donc le colonialisme, la guerre, euh, le, le, les, les, les petites gens, les, les, les ouvriers, la banlieue, euh, sont des thèmes d'abord qu'il a vécu, qu'il a, qu a connu lui-même, qu'il a payé euh, de, de son sang pour, les, pour, pour avoir le droit d'en parler. Mais euh, ils sont tous très tardifs par rapport à, au siècle. Vous vous rendez compte qu'un type comme, comme Céline arrive en 32 dans la littérature et moi, ce qui me fait rire, c'est que tous les grands écrivains étaient déjà construits, étaient déjà très bien lancés dans leur carrière et aussi, aussi dans leurs dans leur différen leur, leur différences. Vous voyez, en 30, en, dans les années 30, le surréalisme est déjà complètement intégré. Tout ça. Je ne parle même pas de ceux qui sont arrivés avant 14, mais après, à partir de 18, vous avez toute une, une littérature dite, dite moderne euh, et, et qui pouvait être indépassable. Et les, les, ils étaient tranquilles, alors que ce soit aussi bien les surréalistes que des gens plus classiques, euh, comme même Monterland ou, ou Giraudoux, Claudel, Gide, etc. Tout ça. Vous avez même Joyce. mais Joyce, Ulysse, c'est 22. C'est 10 ans avant le voyage, quand même. Vous voyez. Donc ça, c'est quand même étonnant de, de, de voir que tout est installé dans le siècle, et on se dit, quand on arrive à, à, au début des années 30, on se dit, bon, c'est fini, c'est plié. Les grands écrivains, on les connaît, les écrivains du siècle, ils sont là. C'est ceux que je viens de citer. Euh, je, je parle en France, hein, donc et même, euh, même en Amérique ou en Angleterre, mais c'est surtout en France. Oui, il y avait aussi D.H. Lawrence, tout ça, tout ça a été, ça y est, c'était fait. Et puis tout à coup, arrive en 32 un médecin, complètement inconnu, qui débarque, et, et, et en, en 15 jours, il, 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 il donne le chef-d'œuvre du siècle. Et, et, avec, et il transforme complètement la littérature de, de, de son siècle. Euh, tout, toute langue confondue. Vous imaginez le choc. Et, et c'est un médecin qui a 38 ans. Qui, qui, c'est quand même assez tard, vous voyez, pour arriver. Donc ça, c'est un, un coup. Euh, du, du, à la fois, c'est drôle. Et ça, de, ça a dû être terrible de, 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 de voir ça pour les autres. Les plus intelligents ont bien compris qu'il les démodait tous. Et qu'il les démodera tous par le, par le futur. Qu'est-ce qu'il démode et qu ce, qu ce, ce que vous savez, c'est un, un monde qui s'ouvre. Tout à coup, un, un, un livre n'est plus seulement un, seul, un livre. Et à la fois, il est véritablement ce que devraient être tous les livres. Alors, le, le procès, bon, c'est l'objet. Est-ce que souvent il dit. Euh, <coughs> Est-ce que c'est pour justifier après des, des pamphlets Il dit, dans la préface en 49 de la réédition du voyage, c'est pour le voyage qu'on recherche. En gros, il dit. C'est ce, ce, ce livre-là qui a tout déclenché, mes emmerdements, etc. Et comment vous réagissez ben Pour ce que je dis, le, 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 son vrai scandale, c'est le, le voyage, parce qu'il fait irruption dans la littérature de son époque en, en prenant la première place d'emblée. C'est ça, le vrai scandale. D'ailleurs, il le dit dans la préface de la réédition. On lui en veut pour ça, pas seulement sur le fond, mais évidemment sur la, la, la forme langagière et verbale extraordinaire. Mais aussi par sa position. C est, c est, il ne faut pas oublier qu'il il, il, il a aussi une, une volonté de se, de se placer dans la littérature. Et comme c'est un fils unique, très orgueilleux, et non pas vaniteux, comme on a pu lire sur son carnet d'école, euh, vaniteux au-delà du possible quand il était gosse, et très choyé par ses parents, il ne faut pas oublier ça, donc il a tout transformé, sa mère l'adorait, sa mère disait Ah, il a quand même bien travaillé son argot. Donc pour elle, elle était complice. Euh, avec le fait que céline n'était pas du tout argotier mais qu'il a, il a dû confier à sa mère qui travaillait l'argot il a, il a pour pouvoir l'inclure euh, dans, dans, dans sa langue c'est un travailleur euh, qui a euh, qui a suivi l'exemple euh, après tout ce qu'il avait vécu de de, de Eugène Dabit qu'il connaissait qu'il avait vu qu'il pouvait faire un succès en faisant un livre et qui s'est décidé à écrire un livre et je il était tout à fait euh, euh, sincère quand il dit j'ai voulu faire un seul livre pour marquer pour marquer le coup euh, parce qu'il avait déjà trop de choses en lui il voulait les exprimer sur son époque et il voulait redevenir médecin tranquillement il, a, ce, 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 il, il est il est tout à fait c'est c'est un projet c'est un projet raisonné qui après est parti en vrille à cause de, de son caractère et de l'époque, mais c'est pro, le projet d'un médecin qui a voulu écrire un livre pour pouvoir, euh, moi je le prends au mot, je prends toujours sérieusement ce qu'il dit, euh, d, d, dans, ce, dans son attitude et dans ce qu'il a voulu faire, et ensuite ce, ce, de devenir, redevenir médecin et qu'on qu ne l'emmerde pas avec ça. Comment est-ce que vous les personnages de Céline et que, selon vous, quelle... Alors, tout ça, vision de l'humanité, le, le, le caractère des personnages, vous demanderez à ces fameux spécialistes. Moi, je suis trop, trop dans l'intimité du, du bonhomme pour, pour vous faire des, des, des gloses universitaires sur, sur ces questions-là. Alors, alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question Quelle est la place de la danse dans son esthétique et sa Là aussi, vous demanderez aux danseurs ou aux danseuses qui l'ont côtoyé. Voilà. Alors, quelle est la place de l'exagération elle est naturelle. Euh, l'exagération euh, devrait, devrait être le moteur de tout artiste. Est-ce qu'il n'y a pas de l'exagération dans Michel-Ange quand, il, quand il, 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 il dit au pape qu'il va repeindre le, le, le plafond de la sixine et après, un, un peu plus tard, qu'il va rajouter le jugement dernier en face euh, Ce n'est pas exagéré, ça Oui, c'est ça, le, tout le problème, c'est l'étroitesse les, les de l'esprit français, le côté étriqué des, 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 des responsables de la critique littéraire ou, de la, ou historique de, 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 du, du, du siècle et qui voit tout comme, comme si c'était des hommes de lettres. Et, et, et Céline est et tout sauf un homme de lettres. Un écrivain, ça semble évident de le dire, est avant tout un artiste. Et Un artiste est quoi ben Un artiste, ça peut être un peintre, un sculpteur, un, un, un musicien. Est-ce qu'il n'y a pas d'exagération dans, dans, dans Stravinsky Est-ce que le sacre du printemps, c'est pas un peu exagéré euh, comme musique et, et le rire, alors Quelle place a la rire eh bien, ça, c'est aussi c'est quelque chose de déterminant, le rire, euh, qu'on oublie souvent. Euh, par exemple, sur les pamphlets, on oublie que la bande, c'était pour bien rire dans les tranchées. C'est aussi pour faire rire. C'est-à-dire, que lui, ça le fait marrer. C'est ça, la fait marrer les pamphlets. C'est pas qu'il ne s'agit pas de, de prendre au sérieux. Tout ce qu'il écrit, il faut le prendre au sérieux bien sûr, et, et, mais il, il a une... Euh, je parlais de Shakespeare, évidemment on peut parler de Rabelais, mais euh, c'est d'abord un humour euh, au-delà de l'humour. Il y a des choses qui, lui, le faisaient rire et qui ne font pas du tout rire les autres. Mais lui, ça le faisait rire. Et c'est parce que ça le faisait rire qu'il les a écrites. Et il est, il est un des rares auteurs qui peut faire éclater de rire euh, rien qu'en le lisant. Non pas sourire. Non pas euh, euh, se, se, se gausser ou être secoué de, de, comme ça d'un de, de, de petit, euh, euh, petit rire nerveux. Non, non, il fait éclater de rire. Un, donc c'est quand même un grand pouvoir de faire rire quand, euh, par ce qu'on écrit sur une page. Tous les exemples, tout est, tout est drôle chez lui. Tout est drôle, du début à la fin. Rien que la première phrase du voyage, ça a débuté comme ça, c'est drôle. De mettre les deux, ça, c'est ça. C'est toujours drôle à tous les niveaux, aussi bien sur la langue que sur le fond, évidemment. Et puis, je vous passe toutes les scènes, vous les connaissez comme moi, dans tous les livres, il y a des, 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 des scènes plus qu'il la rente, voilà. Euh, mais il y avait une volonté chez lui réelle de faire ça. Et, et, euh, et, et peut-être qu'il était même plus, plus drôle aussi sur la page que dans la vie. Il y avait des moments de, de tristesse. Il était, il était évidemment, j'imagine, dès qu'il rentrait dans une pièce, ça devait être quelque chose de phénoménal dans la puissance de la présence et dans la drôlerie aussi. Mais il n'était pas tout seul. Donc il, est, il, a, il a, quand il était avec Gene Paul, ça devait être un, un, un feu d'artifice ou avec Le Vigan, vous imaginez. Voilà. D'ailleurs, Lucette m'a raconté beaucoup de choses à cet égard. Donc il y avait quand même une drôlerie qui était toujours là. À Sigmaringen, il y avait, les gens se marraient aussi. Et pas seulement parce que Céline était là. Les choses devenaient céliniennement euh, drôles à son, à son contact aussi. Et puis les, les situations étaient, étaient bouffonnes. Et, euh, et lui, il a été un des rares écrivains à savoir les, les retranscrire, les retransposer. Il a, il a quand même été évoqué également. <coughs> la... Et qu'est-ce qui est plus près du rire que de la mort C'est une question que je pose. Donc la mort, euh, mort à crédit par exemple, rien que le titre, euh, est, est drôle. Alors, par exemple, est-ce qu'on sait d'où ça vient mort à crédit Alors ils vont dire euh, Ben non, mort à crédit, euh, oui, c'est un mort qui, est, qui, a, qui a crédit, oui, d'accord, euh, c'est très juste. Mais euh, euh, vous savez, dans les cafés à l'époque, il y, y avait crédit et mort. Pour pas que les types. Euh, de, il fallait que les, les, les gens payent leur consommation. Voilà. Alors, c'était une, une, une pancarte qui était partout. Donc, lui, il a, il, a, il a juste renversé. Crédit est mort, crédit est mort, crédit est mort. À force de voir ça partout, il a, il a, il a inversé le, les, 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 la formule. Euh, mort et crédit, et puis mort à crédit, parce que là, ça, donnait, euh, ça voulait dire quelque chose. Et, et ça voulait tout à fait euh, signifier de ce, ce qu'était tout homme. Vous voyez est-ce qu'il faut avoir euh, une unité, une cohérence dans, dans l'œuvre de Céline qui va du voyage à ou Si vous découper découpez ça en période. Ne jamais découper, Céline, et euh, même pas en période. Euh, évidemment c'est un, un flux continu. Tout est d'une cohérence totale. Tout est une cohérence totale. Les livres les uns après les autres, pourquoi il les a faits, euh, dans, dans, dans quel ordre, ce qu'il aurait pu faire aussi, euh, pourquoi il a fait ça plutôt qu'autre chose. Euh, voilà, il suffit juste de, le, de connaître la question, donc donc, de s'intéresser à ça. Les, les pamphlets sont pas, ne sont ni des parenthèses ni des accidents, pas du donc, tout. Le dire, ça pas du tout, faire. les pamphlets ne sont pas des, des accidents ni des parenthèses, non, pas du tout. Non. Même pas, oui, oui, ils sont entre guillemets, on va dire. Oui. D'ailleurs, pamphlet, c'est venu après, lui il appelait pas ça des pamphlets. Hein. Et les premiers critiques, vous voyez, il y en a qui parlent de romans pour Bagatelle. c'est ça qui est drôle. C'est tout à fait dans, le, dans, dans la. La on ne peut pas les comprendre si on ne voit pas les livres avant et les livres après. Et puis pareil pour les autres, pourquoi il a fait Mora Crédit après le voyage C'est Je crois qu'il y avait aussi cette volonté un peu, là, là vraiment, moi je comprends ça très bien, c'est de, de vouloir couvrir sa vie. Il n'y a pas de, de grande œuvre si elle n'est pas autobiographique. Alors après on peut la masquer de, de, de différentes façons. Et surtout romanesque, parce que que Malarmé ne soit pas autobiographique dans ses poèmes, ça peut se comprendre, mais qu'un grand romancier ait une, une détermination dès le départ à ne jamais être autobiographique, c'est vraiment pas, c'est pas possible. Donc lui, il a poussé ça très loin. Il voulait que ça soit autobiographique, c'est-à-dire que ça recouvre toute sa vie. Donc, vous avez tous les livres qui recouvrent toutes les parties de sa vie. Après, c'est dans le désordre d'ailleurs. Et après, il s'interrompt une partie pour, pour en faire une autre. Après, il la reporte plus loin. Vous vous rendez compte que dans les années 40, en pleine occupation, il travaille sur, sur sa jeunesse en 1915 à Londres. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas pu placer ces épisodes-là dans euh, la suite de, 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 du voyage, enfin, plutôt dans le voyage. Il faudrait. Cela a d'ailleurs été fait, la chronologie totale par livre et, et, et arrêter les parties des livres où s'inscrivent d'autres livres plus tard qui peuvent être intégrés dans la chronologie pour voir euh, que toute sa vie est recouverte. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très dommage qu'il soit mort si tôt parce qu'il lui restait quand même. Il y a une partie que, qui nous manque, euh, entre autres, c'est la partie donc de, du Danemark. Parce que ça, on a beaucoup de témoins, on a beaucoup de... Euh, évidemment, Lucette, la première, mais, et puis d'autres qui sont allés le voir, et tout ça, mais lui, lui il n'a jamais décrit ça, très peu. Donc euh, c'est le livre qu'il devait a, a, a écrire après Rigaudon. On dit que ça s'appelle L'ambassadrice. C'est une métaphore sur, sur, sur la mort. Ça peut être aussi une ambassadrice qu'il aurait croisée au, au Danemark, qui sait. Et euh, ça aurait recouvert certainement, ce livre-là ou un autre, aurait recouvert à partir du moment où ils arrivent. À Copenhague. Donc la vie à Copenhague, puis ensuite l'arrestation. La, euh, euh, la prison a été euh, traitée un petit peu dans le féerie, mais, mais en tout cas, tout ce qui se passait au, à, à Cursor et Clarks n'est pas recouvert. Et, et ça devait lui, euh, lui porter souci. Est-ce qu'on peut dire que les, les sont des œuvres littéraires Se poser qu la question. Attendez, je. vais... Je dis, se poser la question pour savoir si les pamphlets sont des œuvres littéraires, c'est à la fois ne, ne pas les avoir lues et à la fois ne pas savoir ce qu'est une œuvre littéraire. Euh, et encore, œuvre littéraire, c'est bien gentil. Euh, évidemment. Euh, alors on peut, on peut dire, oui, il est plus ou moins en forme selon les, les livres. D'accord, ça je veux bien le concéder, mais enfin, Bagatelle est un chef-d'œuvre. Bagatelle pour un massacre est un chef-d'œuvre. Et, et le jour où il ressortira, tout le monde s'en apercevra. Rien que sur le plan littéraire, alors, parlons même pas du reste domaine, pourquoi est-ce que Céline se revendique toujours de la banlieue qu Qu'est-ce qu que ça signifie Parce qu'il est né en banlieue Il est né en banlieue Tu es à Courbevoie, en Dubon, etc. Oui. Est-ce que ça a une signification ben, il, 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 il est de Courbevoie, donc il, il s'estime de banlieue, ça fait partie de son histoire, et il la connaît bien. Ça fait partie des thèmes qui le, qui le concernent. Il ne sort pas de sa vie. C'est ça, un grand artiste, il ne, il, ne, il, ne, il ne sort pas de sa vie. Il, il prend les éléments que sa vie lui apporte et lui-même se met dans des situations qui lui permettent de scénariser un peu d'avance ce qui va lui arriver pour pouvoir les écrire. C'est le seul but de, 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 de tout ce qu'il a fait, je parle à partir du moment où il a commencé à écrire, et peut-être même inconsciemment avant d'ailleurs, c'est pour pouvoir écrire sur ça. C'est pour ça que sa vie est si romanesque, parce que lui-même l'a conçue comme un roman déjà. Pourquoi vous pensez qu'il a Comment est-ce qu'il a décidé Pourquoi il vient Vous l'avez vaguement évoqué, mais je trouve que c'est important. Comment c'est ce qu'il décide de devenir écrivain euh, Vous avez l'air de dire que tout à l'heure, euh, que c'était, euh, c'était pas certain qu'il écrit. Expliquez un petit peu ça. Il a découvert en lui un don. Alors à, à quel moment ça On ne sait pas. Euh, Est-ce que c'était à l'époque où il était cuirassier, où il commençait déjà à écrire Oui, euh, des petites notes. Euh, voilà, il a, il a abandonné, il a été le beau joueur, si, tu, si vous voulez, de, la, de, son propre, de sa propre nature. Il a dit Je suis vraiment fait pour ça. quoi. C'était plus fort que lui. Donc, il a, il a, fa il a bien fallu qu'il le sorte, euh, ce don, et qu'il en fasse quelque chose. Parce que, généralement, le contraire, il dit Ma seule vocation, c'est. Bien sûr Mais, oui, 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 mais ça dépend de ce qu'on appelle par vocation. Est-ce que c'est une vocation professionnelle, une vocation humaine aussi Et Puis c'est pas incompatible. Voilà. Mais peut-être que sa première vocation, en effet, était la médecine. Et puis à un moment donné, il a été euh, submergé par l'écriture, par, par qui, qui était plus forte que lui. Quelle, quelle est la place de, de Mea pas dans, 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 son, dans son œuvre Quelles ont été les conséquences selon vous Alors, Mea culpa, euh, ça, ça vient de la Russie. Il a décidé de faire un voyage en Russie, vous le connaissez toute l'histoire, donc il est parti en Russie en 1936. Et il a vu ce que c'était parce qu'on le dit, on, lui, on le disait extrêmement euh, euh, pour le, pour la, enfin, pas de gauche, mais enfin, communisant en tout cas. Voilà. Et il a vu sur place que c'était le communisme. Il est rentré, et il a fait ce, ce texte qui, qui était irrépressible pour lui. Voilà, qui sont 27 pages d'un pamphlet terrible sur la Russie, sur le communisme. Là, en, là encore une fois, il arrive tard. Il le fait après Gide. C'est son retour en URSS. Bien d'autres intellectuels, on, on, mais lui, il le veut le faire mieux que les autres, plus fort que les autres. Voilà. Je vais reprendre un peu d'eau peut-être oui, oui, oui. On peut faire une pause oui, 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 oui. 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 Tout à fait, une lecture historique où on déterminera. Par exemple, à un moment donné, elle dit euh, sur le. Vous pouvez enregistrer même si vous voulez, là. Oui. Le, le, elle dit oui, je crois qu'il y a parce que je, 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 je lui dis mais il n'y a pas, enfin c'est pas moi puisque moi je suis pas dans le livre. Hein, ou C'est où ou Gibou. Je, je parle à travers d'autres personnages qui l'interrogent et qui lui posent des questions sur, sur sa vie. Et elle dit oui, je crois qu'il y a. Est-ce que est Céline est lui-même Il y a un enregistrement où il lit lui-même ça, ça parce qu'on l'a jamais entendu lire une, une page de lui-même. Et elle dit oui oui je crois que ça existe. Je crois a enregistré ça. Euh, c'est un extrait de Nord mais la bande a disparu je crois. Je crois que c'est Nord, je suis pas sûr. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le coffret Vous avez un enregistrement pris par Cannavadja qu'elle a donné à sa sœur où il lit Nord. Mmh. Vous voyez Donc, donc, donc les, 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 les choses sont vérifiées et vérifiables par la suite. Dans votre livre, il y a aussi le passage où elle parle de euh, c est, c est cette émission des de la télévision avant Exactement, où on, elle, où on la voit, elle, à retrouver. Elle ne peut, peut pas se tromper. Peut-être qu'il y a des bandes quelque part. Peut-être peut que pas. En tout cas, il y avait quelques postes dans la ville. C'est ça. Il y avait peut-être dix postes de télévision dans la ville. Et, 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 et elle est passée. Elle est passée là. Oui. On peut y aller, Charles ah, oui. voilà. Donc, alors, bah, voilà. quel est le, le sens euh, de Mea, culpa, Mea culpa et de Batek Bagatelle pour un message Alors, les titres chez lui, c'est énorme. C'est capital. Parce que là, il n'y a, a, a que des ambiguïtés, que des renversements. Que des... Alors, sur Mea Culpa... Le titre casse presque le propos parce que ça a l'air de dire qu'il s'est trompé, mais à coup il s'est trompé dans quoi. Alors, parce qu'il a toujours dit J'appartenais à rien, moi je ne suis pas communiste et tout. Ça aurait pu être un bon titre pour, euh, pour André Gide ou Romain Roland, des gens qui se sont vraiment. ou Malraux, qui sont impliqués dans le communisme et qui vont en, en, en Union soviétique, qui voient ce qui se passe et qui reviennent, qui disent Mais à culpa, euh, j'ai été. Alors là, encore une fois, ce n'est pas, pas ça qu'il n'aurait pas dû s'appeler, Mais à culpa. Il n'a pas à se sentir fautif d'avoir cru au communisme, puisqu'il y va d'une façon déjà très détachée. Il y va, on sait, on sait toujours pour l'argent. L'argent est très important chez lui, mais pour n'est pas une critique. Au contraire, c'est magnifique. Parce que il, un, il a une relation à l'argent qui est, on en reparlera si vous voulez tout à l'heure, mais qui est, qui est fascinante. Donc, il va dépenser lui-même donc ce droit d'auteur euh, du voyage tronqué, mal traduit par Triolet, euh, là-bas. Et puis, peut-être qu'il avait une sensibilité un peu, pas de gauche, mais disons, de, de, en tout cas, de pouvoir s'intéresser à l'injustice à sociale, pour, euh, pour dire de très loin. Et il revient, il appelle ça « mea culpa euh, ». Il aurait pu il aurait pu appeler ça une insulte sur les bandes de, bande de cons ou euh, les, 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 les soviétiques, euh, j'encule les soviétiques, ou, euh, vous voyez c'est l'esprit du, du pamphlet, puis surtout sur l'homme, ça, 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 ça s'élargit, ça, ça reste pas sur les soviets. Euh, finalement, l'homme ne, ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui au point de faire le communisme. Donc là encore une fois l'ambiguïté du, l'ambiguïté du titre. Et bien, que dire alors bagatelle pour un massacre aussi, alors là il, a aussi, il, joue de, il joue de malchance, puisque le mot massacre, euh, il ne pouvait pas le savoir, mais aller répondre à tout ce qui s'est passé, et donc après-guerre ça, ça prend une proportion terrible, le mot massacre est exactement ce qui s'est passé pour l'extermination des juifs dans la, 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 pendant la, 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 la guerre, donc euh, évidemment ça la fout mal a posteriori, mais lui ce qu'il pensait faire, c'est donc ce sont des, des, des bagatelles pour un massacre à éviter, Évidemment, et c'est le massacre de, de ce qu'il appelle des Ariens c'est-à-dire c'est des types euh, qui, le bon français, le franchouillard, encore une fois, il est très ambigu dans cette relation au franchouillards et au petit, euh, au petit peuple. À la fois, il les défend, mais il les méprise aussi et qu'il a cher à canon qui vont aller encore dans une guerre à la con, se faire détruire pour rien. Voilà, donc c'est ça. Et lui, euh, euh, il dit que finalement, ce massacre va, va, euh, va être absolument euh, effectué pour finalement des bagatelles. Et ce sont en même temps ces bagatelles-là que lui écrit, allusion aux au balais qui sont intégrés à l'intérieur de Bagatelle. Quant au mot bagatelle, ça aussi, les Céliniens ne le savent pas. Euh, il faut avoir écouté Lucette, tout est, tout est dans Lucette. C'est elle qui ne peut dire que la vérité, puisqu'elle a, elle a une mémoire extraordinaire, je l'ai fréquentée pendant dix ans, et euh, à, à, à moins que des, petites, des petits problèmes de, 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 de date ou factuels, mais euh, elle ne peut pas inventer ça. Euh, Bagatelle a été euh, écrit euh, en, en, en 1937, euh, principalement en vacances, au Havre, mais aussi à Saint-Malo, euh, puisque vous savez qu'il est, il est, il est beaucoup à Saint-Malo. Donc ce sont presque des, des devoirs de vacances, les pamphlets, puisqu'il fait la même chose avec l'école des cadavres l'année d'après. Donc ce sont un peu des devoirs de vacances, à, 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 vraiment dans cet esprit-là, parce que pour lui c'est un devoir d'écrire les pamphlets. Il s'en serait passé d'une certaine façon. C'est les, les circonstances qu'il qu il, il estimait qu'il fallait le faire. Alors pourquoi Bagatelle Parce que, comme il écrivait toute la journée pendant que Lucette allait à la plage, avec Sergine et, et ses amis, et, et il y avait aussi Henri Mahé qui passait, etc. Euh, pour se détendre, il allait à la, la Duchesse Anne, qui est, un, euh, qui est un, un, un très très grand hôtel de, de luxe. Et dans, et dans, le, et dans le, le bar de la Duchesse Anne, il y avait un gramophone où les gens pouvaient écouter de la musique. Et là, il écoutait. Du Beethoven, voilà, pour se, se détendre. Il aimait beaucoup la, 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 Beethoven en particulier. Il, avait, il, avait, il avait, c'était pas un spécialiste de la musique classique, hein, et pas, pas du tout, mais enfin grâce à Lucien Delfort, vous savez la pianiste qu'il avait connue euh, avant Lucette, il, 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 il s'était un peu initié à la musique classique et euh, d'ailleurs c'est de' grâce, c'est par elle je pense qu'il a, qu a, qu a piqué la phrase de Jean-Sébastien Bach qui sert de bande euh, sur Moracredi, vous savez sur l'effort la, la, bon, qui a, à, 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 si, si quelqu'un met autant d'efforts euh, à, à, à travailler, bah, il arrivera au même résultat que moi. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, euh, il écoutait du Beethoven et de, de, de Beethoven, euh, il, y a, il y a des pièces qui s'appellent les bagatelles. Voilà. Et il, il s'est dit, tiens, c'est quelque chose de musical qui va très bien en contraste avec le massacre. Voilà, c'est tout. Bagatelle est un terme beethovenien. Voilà. Et, et Beethoven a, a été un, important finalement dans l'œuvre dans de Céline. Par exemple, vous avez dans l'Apologie de Moracredi de, 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 de Noël, euh, il compare Céline à Beethoven et il, il montre qu'on a chié dessus sur Beethoven euh, de son temps. Euh, tous les critiques musicaux trouvaient que c'était vraiment euh, tout sauf de la musique. Euh... Alors, est la place de la C'est naturel, c'est comme l'exagération. La transe est comme l'exagération dans son cas. C est, c est, euh, euh, il l'a assez dit, il l'a prouvé, ça se lit, ça se, ça se découvre, c'est un lyrique, euh, mais ce n'est pas seulement un mot. Quand on dit un lyrique, on croit que c'est quelqu'un qui, euh, qui avait de l'emphase et tout ça. C'est pour ça que certains ont pu le, le considérer comme un écrivain artificiel, c'est le comble, parce que justement, il en fait beaucoup, il en fait des tonnes. Voilà. Mais euh, il y a des grands acteurs qui. En, qui en, son ami Le Vigan était le premier à en faire des tonnes. Et, euh, et, et on ne peut jamais oublier une de ses apparitions. Euh, cinématographique. Euh, la, la mise en transe est importante. Là, on, on retrouve aussi le, 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 le fils unique qui est tout seul et qui, euh, et qui, qui euh, pre presque de souffrir de pas pouvoir. Euh, emmener les autres avec lui parce que c'est ça c'est ça le grand euh, à la fois le grand fantasme et la grande douleur euh, tous les tous les autres sont ses frères et allons-y venez suivez-moi et euh, donc c'est un leader mais un leader qui souvent se retrouve tout seul et donc il, est, il se met en transe tout seul il se met en, en, en il fait activer son moteur sa turbine pour pouvoir se, 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 se soulever s'élever par rapport à sa, à sa pauvre condition de, de solitaire Justement, Là, il n'y avait plus de, de repères biographiques, donc il écrit des pamphlets, ou est-ce que c'est euh, une, une furie idéologique, est-ce que c'est par opportunisme dans l'esprit du temps, comment est-ce que vous percevez ça Oui, alors c'est difficile de répondre à tout ça, s'il n'y aura pas vos questions, bah, vous, 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 vous vous arrangerez. Pourquoi est-ce qu'il a écrit qu pamphlet, voilà. les pamphlets Voilà, non, quand il commence les pamphlets, ce n'est pas parce qu'il est à sec. Euh, autobiographiquement, puisqu'il il est en train, je vous rappelle, d'écrire Casse-Pipe. Ça, on oublie ça. Il, il, il interrompt casse Puisque casse c'est la suite de Moracredi euh, Non, mon oncle, ça se termine. Et puis après, donc, ça s'enchaîne. Euh, Casse-Pipe allait raconter. Euh, D'ailleurs, la guerre, on dit que c'était sur la guerre casse Non, parce que la guerre est déjà racontée dans le voyage. Donc, ce sont ses premières années de 12 à 14, en, en gros, le, 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 son incorporation et la vie militaire. Voilà, donc euh, il, il interrompt à, à cause de l'époque, euh, il voit que l'époque monte, il voit aussi euh, que, que, le, que son pamphlet « Mea culpa » de quelques pages, paradoxalement, est mieux reçu et, et, et plaît davantage que « Mora ce qui est quand même un comble de, pour un, un artiste de son acabit. Quand même, j'ai travaillé pendant quatre ans à un roman aussi vaste, une fresque, et qui est très mal reçu, parce que tout vient de la, la mauvaise réception de « Mora Bagatelle est une réaction anticritique, une réaction d'un auteur qui se venge contre les critiques qui n'ont pas bien compris son roman précédent. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il fait le voyage. Euh, vous connaissez toute l'histoire, l'échec du Goncourt, le Renaudot qui est un échec. Avoir le prix Renaudot est un échec en soi. De toute façon, et même pour Céline, qui, qui n'a pas eu le, 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 le Goncourt. Mais il pouvait espérer, quatre ans plus tard, revenir avec Crédit et peut-être même il y avait le secret espoir d'avoir le Goncourt avec Moracrédit qui est finalement un, un roman plus facile, on, on dirait, puisque c'est vraiment sur une époque. Il y avait une nostalgie, ils pouvaient espérer aussi, mais c'était une nostalgie trop forte. En 1936, parler des années 1900, tout le monde s'en foutait. On était dans une autre... La, 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 le, le monde avançait déjà, il y avait déjà... L'Europe était déjà bouillonnante des drames à venir. Donc, euh, ils ne pouvaient pas euh, espérer ça. Mais peut-être qu'avec De Noël, ils se sont dit, « crédit euh, ça, 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 va, ça va accrocher. » et là il a un, un énorme choc émotionnel et de déception terrible. D'ailleurs, ça vient de là. Tout vient de là. Moracredi est très, très mal reçu. Et d'une façon dégueulasse, injuste. Ils n'ont rien compris. Donc, ils sont très rares ceux qui ont compris Moracredi. Il a été même lâché à cette occasion par les, les soutiens qu'il avait pour le voyage. C'est-à-dire, des euh, caves à qui Dédit Moracredi euh, n'aime pas le livre et, et, et s'en se, et moque. Je crois que son fils, d'ailleurs, même la, 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 en a parlé à sa place. Donc, ça a été terrible pour lui. Donc, il y, a, il, y a cette, il y a cette déception et cette coupure nette, définitive avec le milieu littéraire, en tout cas avec l'espoir de pouvoir le, le, leur plaire. Parce qu'il y, y a toujours quand même ça hein, de, de, chez lui au début. Il n'a pas voulu rendre l'antisémitisme populaire avec les pamphlets Non, alors après, alors, je continue hein, sur la chronologie, comme ça après vous, vous en ferez ce que vous voulez. Donc, euh, donc à crédit. De, de, là, là, en effet, il a été un peu perplexe. Qu'est-ce que je peux faire Bon, il a, il, a, il a continué directement le livre, d'ailleurs peut-être que les, les premières pages de Casse-Pipe étaient déjà écrites euh, pour Moracredi et qu'il a coupé à non mon oncle, vous savez, la fin au, avant de s'engager, puis il s'est dit, bon, c'est une bonne fin. Mais peut-être qu'il était en cours de le faire, euh, Casse-Pipe, parce qu'il était persuadé que Moracredi serait un grand succès. Et que, et que tout le monde allait l'acclamer comme, un, comme un, un, un auteur qui avait été déjà révolutionnaire avec un premier livre et qui, et qui faisait de la, de la, de la surenchère en, en, en remisant tout, comme au casino, sur un, un, un deuxième roman encore plus révolutionnaire. C'est toujours l'orgueil, toujours l'orgueil justifié, hein, de, de vouloir faire toujours mieux et d'être le premier. Vous voyez Donc là, il se trouve en 36 devant ça, et puis... Euh, comme il sait plus trop quoi faire dans le, je ne parle pas littéralement, mais même dans sa vie, tout ça, il est épuisé, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il rencontre euh, Lucette, il va en euh, Russie, et donc c'est ce voyage très décevant sur la Russie, il va en finir d'une façon politique, et là il revient et il fait ce pamphlet que De Noël publie rapidement en mettant ses ça avec, pour euh, pour, euh, voilà, pour donner un peu une présence. Et là il s'aperçoit que le pamphlet, c'est un genre dans lequel il excelle, même sur 27 pages de, de « Mea culpa ». Et même de Noël de, de, et ses amis devaient lui dire Mais vas-y, c'est trop bon, tu es, es, es trop bon là-dedans. Donc, Kanavadja, d'ailleurs, l'explique très bien, puisqu'elle le connaît à cette époque-là. Euh, L'attaque d'Emea de Culpa, c'est les communistes. Et donc, il cherche un autre thème, il cherche un autre, autre, un autre bouc émissaire. Mais ça, oh, il faut le prendre au, au sens littéraire aussi du terme. C'est encore une question de standard, c'est une thématique, euh, l'antisémitisme. Kanavadja, elle-même, qui est sa secrétaire. Euh, vous rendez compte qu'elle ne savait pas. Elle, elle a dit :« Je n'ai jamais entendu parler d'antisémitisme. Il n'a jamais rien dit d'antisémite avant que je lise les premiers chapitres de, de Bagatelle. Donc euh, c'est brutal. C'est pas, pas l'antisémitisme ne vient pas de son enfant, son père qui était un ditrefusard et puis etc. Non, ce, ça ce sont des, des sensations qu'il a pu avoir, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça. C'est c'est un, un projet littéraire, Bagatelle aussi. Et on le découvrira, parce que tout le monde parle de Bagatelle pour un massacre, mais personne dit ce qu'il y a dans ce livre. Moi, je n'ai jamais vu dans aucun livre de spécialiste ou pas, quelqu'un qui nous fasse le plan de Bagatelle. C'est pour ça que je vais le faire, d'ailleurs. <laughs> mais mais, pas, mais pas, chez vous. pas chez vous. Je vais l'écrire. Avant, avant, avant il y a l'église. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, dans l'église, ce qui est intéressant de dire, pour ça, c'est Lucette qui me l'a dit. Euh, C'est très intéressant sur la, sur la sensibilité de, de Céline lui-même. Vous savez que son patron à la, à la Société des Nations, Reichmann, euh, dont il a fait après un personnage dans, dans l'Église et aussi dans Bagatelle, était comme son père. Ils étaient euh, plus qu'amis. Il, 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 était, il était le patron et à la fois il, il, il soutenait beaucoup Céline et il le comprenait. Et euh, il il, il, il c'est une figure paternelle pour lui, à la SDN. Il s'entendait très bien et lui, il adorait aussi. C'est lui, il le considérait comme son fils spirituel. Bon. Et il pouvait tout se permettre. Et vous imaginez bien qu'on est dans les années 20. Reichmann et, 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 et Céline avaient des conversations, y compris sur les Juifs, y compris sur, le, le, sur le, 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 les, les pseudo-complots ou, le, ou la mentalité de, de, de certains de certains justement euh, grandes figures de la SDN, euh, la relation avec, le, avec les autres membres, comment se passait justement la, la structure de cette fameuse église dont il parle voilà. Et il, il a écrit l'église et il a montré, il lui a montré à Rachman. Il lui, a, il lui a fait lire, et là il a senti qu'il avait touché quelque chose et que il était vexé. Euh, Rachman a été, un il n'a pas rien dit parce qu'il aimait tellement Louis des touches qu'il n'a pas, lui a pas fait le reproche d'avoir écrit un, un acte antisémite. D'ailleurs, ce n'est pas un acte antisémite. Quand je dis acte, c'est au sens de la, de la pièce, hein. euh, bien sûr, parce que parce que parce que les gens voient ça comme quelque chose de, de terrible. D'ailleurs, dans la euh, petite parenthèse dans la, la représentation qu'a faite Martinelli, vous savez, il a, il a donné. Je le raconte d'ailleurs ça dans, dans, dans mon livre. Euh, J'étais moi la première avec Mouloudji, avec euh, et il y avait Bernard Levy aussi et Ariel Dombal qui étaient dans la salle et qui ont assisté à la, à la représentation. C'était une des premières fois où il y avait l'église en entier avec ce fameux acte dit antisémite que Céline aurait écrit dans l'église, voilà qui n'est que, euh, on va en parler, qui n'est qu'une farce. Mais euh, euh, au moment où l'acte a commencé, il y a deux personnes qui sont parties, c'est Laura Adler et son mari Alain Weinstein de, de France Culture, pour ne pas assister à cet acte. Donc ils viennent à la représentation jusqu'à ce que l'acte commence et ils s'en vont, ostensiblement dans la, de la salle. Intéressant. On est, on est en 1992, hein, je crois, ou 93, quelque chose comme ça. Bon. Donc lui, il, a, il, il voulait faire une farce dans cet acte, avec, euh, avec euh, Reichman euh, caricaturé, si vous voulez. Et, et il donne ça à son père spirituel, croyant qui, que, que l'autre allait rire avec lui. Et là, il voit une vexation chez Reichman Et ça, ça, ça c'est ce que m'a dit Lucette. Ça l'a beaucoup blessé. Il dit, ah, à la fois, ça l'a blessé, mais ça l'a intéressé. Parce qu'il est, est un peu vicieux quand même. Il renverse les titres, il, il cherche, il cherche la merde, il fouille la merde, il cherche la merde, et il la trouve. Donc ça l'a quand même blessé de, de, de dire, ah bon, il ne prend pas ça bien alors. D'accord. Alors ça, ça reste, puis après, ça reste au repos tout ça. Tout ça, après, il oublie tout ça. Après, il y a le voyage, il y a la... Euh, Vous oui, ne pouvez pas dire que l'Église est un malentendu antisémite Non, mais l'Église n'est pas un pamphlet, euh, n'est pas une charge volontairement antisémite. Il y a aussi une thèse, par exemple. On dit aussi que quand il a fait le voyage, euh, il a enlevé la partie de la SDN. Euh, parce que justement c'était euh, euh, risqué et que ça pouvait lui, 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 lui coûter le goncourt. Vous avez déjà entendu cette, cette thèse. Eh oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Que, mais d'abord parce que ça aurait pris beaucoup, beaucoup trop de place de raconter la SDN dans, euh, dans le voyage. Peut-être aussi qu'il estimait que ce qu'il avait fait euh, dans l'Église dans n'était pas réussi au niveau littéraire et que ça allait un peu euh, dés déséquilibrer. Le, le, le voyage et puis la, la preuve si vous parlez de l'époque euh, comment aurait-il pu croire que, que de, quelques plaisanteries euh, pseudo-antisémites euh, dans, dans le voyage au, au bout de la nuit aurait pu lui coûter euh, le, le goncourt alors qu'il y avait ça partout chez les autres auteurs euh, vous, vous prenez quelqu'un comme nemirovsky euh, vous voyez qu'il a eu d'ailleurs le prix Renaudot posthume et, euh, qui est morte dans, dans les camps et elle, elle, y a des, David Golder est beaucoup plus antisémite que l'Église et même que Bagatelle d'une certaine façon. En plus, euh, vu par elle, c'est monstrueux que la façon dont elle décrit du, 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 de l'intérieur le, les, 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 les milieux juifs riches de, 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 des années 30, vous voyez et, et d'ailleurs, j'ai remarqué récemment qu'on a des... Qu on, que, que on, quand on lit euh, quelques pages de, du, du livre qui a eu le Goncourt à la place de Céline, c'est-à-dire les loups de Masline, eh bien il y a des passages qu'on peut qualifier complètement d'antisémites. Ou évidemment, ce n'est pas la première personne. Ça, ça les, les, les gens l'oublient. Dans les loups, les loups, on peut dire, si on, si on veut vraiment charger, la, 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 si on veut vraiment exagérer, on dit que euh, le, le Goncourt Gallimard a été donné à un livre antisémite, Les Loups, de Guy Mazeline. Alors que le, dans Le Voyage, il n'y a rien. Vous voyez, donc c'est n'est pas, pas parce qu'il aurait dit, euh, c'est pas ça qui, qui lui a valu son Goncourt, puisqu'on l'a donné le Goncourt à un livre où il y a des scènes qui sont, qui sont carrément Miróvski. Hein. Il faut les lire. Et évidemment, c'est toujours romancé. C'est des personnages qui parlent, mais qui sont mis en scène. Tandis que lui, lui, est comme il est très courageux, il parle en son nom propre. Et là, il se met dans une thématique qui est celle de l'antisémitisme, et il en fait énormément. Il en fait plus que tous les autres. Il veut être le plus grand antisémite de tous les temps qui, qui a jamais existé. Voilà, juste de, de, depuis, euh, depuis les, les, les prophètes de la Bible. Depuis Jésus-Christ même, je dirais. Vous voyez C'est le, le, les, les, les diatribes contre les scribes et les pharisiens de Jésus, reprises par, un, un, par le docteur touches dans les années 30. C'est ça. C'est c'est une c une c Il faut bien comprendre ça. Il, alors, c'est pour ça, à la fois c'est sérieux et ça a des conséquences terribles, mais à la fois il y a une, une drôlerie. Il se marre de faire ça aussi. Il se marre de faire ça. Vous voyez Alors, qu qu'est-ce vous alors, écrivain style ou écrivain idée, ça, c'est une, une petite coquetterie qu'il a mise au point pour son retour. ça fait partie de la, de la panoplie, euh, de la clochardisation, euh, euh, les, les, les vêtements. Euh, et c'est fait partie de son, de son discours, le discours qu'il a mis au point pour les journalistes et la, la préparation du décor de meudon. tout a été prêt, tout est, tout est, tout est pensé. Rien et n'importe quoi. Il le dit d'ailleurs. À un moment donné, il dit « je suis très cabotin ». Euh, il met son écharpe, l'attitude, tout ça, c'est un très grand… Il est plus acteur encore que le Vigan. Il a peut-être même pris euh, chez le Vigan des, des conseils, euh, puisque le Vigan vivait, vous savez, lui-même ses rôles dans la vie. C'est-à-dire quand il jouait un personnage, il l'était complètement dans la vie pendant quelques jours, euh, et quelques, le temps, quelques semaines, le temps du tournage. Il pouvait, on pouvait le voir habillé en mexicain en, ou, en, ou en christ ou, oui, ou, ou en voleur ou en peintre oui. euh, il a, il a lignes, on lui prête euh, l'invention de, de néologisme euh, en particulier de Blabla hum? qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ben, il a inventé Blabla, oui, c'est dans Bagatelle d'ailleurs voilà Alors on va dire que ça va, on, pourrait, on pourrait plaisanter en disant ben, re, re, rééditez Bagatelle, comme ça vous verrez qu'il a inventé Blabla, vous aurez la preuve voilà oui, mais fin, là, là, vous savez, euh, les mots, euh, les mots sont, ce, ce, ce n'est pas la caractéristique, de, 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 c'est la caractéristique d'un grand ou d'un bon écrivain d'inventer des mots qui resteront après. Mais lui, il n'est pas le seul, il y en a eu d'autres. Hein, oui. Zola, euh, il a écrit Nana, et après on a, on a parlé d'une Nana. Euh, ça, vient, ça vient, du personnage de Zola. C'est quand même, c'est peut-être encore plus fort que blabla. Y a pas Non, ça, je n'ai pas entendu dire ça. Vous non. Non, non. envoyez euh, ben, de toutes les logiciels Non, l'élision d'un château à l'autre, vous hein, voyez, ça c'est. Maintenant, c'est. Puis surtout, le voyage au bout de quelque chose, ça aussi, c'est. Euh, il aurait fallu que ça soit déposé. L'U7 devrait toucher un, un, au moins un euro chaque fois que quelqu'un se sert de cette formule dans la presse ou, ou dans les chansons. Euh, ça, ça regorge dans, le, dans la variété dans le, dans, chez les humoristes. Voyage au bout de quelque chose, vous voyez donc, euh, Comment est-ce que vous qualifieriez son antisémitisme euh, Il est inscrit dans le contexte de l'époque. C'est un racisme biologique. Hygiénique. Oui, tout ça est vrai. Racisme en fait, biologique, racisme biologique, antisémitisme de l'époque, tout ça est vrai. Tout ça y prend et tout. Mais c'est un outrancier. Il en fait quelque chose de littéraire et de si vous voulez. C'est ça qu'on va comprendre quand on va rééditer Bagatelle. Ce n'est pas du tout raisonné, ce n'est pas sérieux dans le, dans le sens il n'y a pas de ce n'est pas une méthode. Il, il, il lui-même donne les, les non pas le bâton pour se faire battre, mais il y a de tels excès dans le dans, dans, justement dans la dans la métaphore. Il se sert de, du Juif avec une, une telle puissance métaphorique que ça n'a rien à voir avec même avec les, les petits textes sérieux que faisait même Juando, vous voyez, qui séparait d'un côté il avait son, son art et puis de temps en temps il il voulait écrire quelque chose un peu pour de, 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 de raisonner voilà, donc il est aussi dans le rythme dans, cette, dans cet ordre là, ce qu'il ne faut pas oublier aussi ce qu'on n'a qu on a, on a pas dit là encore on en, on en a parlé beaucoup avec, avec Lucette euh, le, il était euh, comme c'était un très grand capteur une très grande éponge il ne faut pas croire que c'est lui qui était, disons, le la grande gueule prophétique antisémite de sa bande, et les autres étaient là en disant « Ah ouais, c'est super, et vas-y, dis-nous dis encore, fais-nous -en encore de l'antisémitisme euh, ». C'est le contraire. Il était, elle regrettait d'ailleurs, Lucette, parce qu'elle assistait à ça, de voir à quel point il n'était pas influencé, mais il pouvait pas vérifier toujours les sources et ce que disaient les autres. Par exemple, le docteur Camus, euh, Henri Mahé lui-même, et Jeanne Paul aussi. On dit toujours que Jeanne Paul euh, a été influencée par Céline, c'est le contraire de, ne ne serait-ce déjà que sur la langue, il a beaucoup écouté Jeanne Paul, qui était un musicien de la langue extraordinaire. Il lui a piqué beaucoup de trucs, et chaque fois qu'il faisait un chapitre, euh, il descendait à l'atelier pour lui lire et pour voir si ça sonnait bien, ou, ou il lui demandait des conseils aussi, ça peut arriver. Et il captait, et et, et, et ce sont ces types-là qui, eux, étaient euh, plutôt antisémites premier degré, vous voyez, euh, d'une de, façon franchouillarde. Et lui, il a imité ça aussi. Il a, il a joué le personnage du, de l'antisémite franchouillarde en Bagatelle. Il y a bien des morceaux qui le montrent. Il y a bien des morceaux qui le montrent. La structure du, du, de, de, de ce livre-là n'a pas été encore étudiée. Et, et c'est bien dommage, parce que là, on comprendrait beaucoup de choses. Lui-même s'est expliqué un peu là-dessus, mais très peu. Quand même, il a quand même pris, pendant la guerre, des, des, des positions. Des fois il Alors, il ça, c'est a... autre chose, absolument. Alors, après, il s'est. Voilà. Tout à fait. Non, mais après, il s'est laissé emporter par le truc, c'est-à-dire que ça l'a dépassé lui-même. Donc, il a fait, comme je vous répète, c'est un grand orgueilleux, il ne pouvait pas faire marche arrière. C'était très, très difficile pour lui de faire marche arrière. Donc, donc il en a rajouté, rajouté, rajouté. Et puis, il, on ne va pas encore redire ça, mais on le sait, il n'a absolument participé à aucun acte de collaboration. Il s'est toujours tenu très loin de tous, ses, de tous ses collaborateurs, en étant très critique à la fois sur Braziac et je suis partout, au pilori, même s'il envoyait des lettres et tout. Il était. C c on connaît on connaissait tous les anecdotes chez Abetz, quand il, se, il, il, il joue au complotiste déjà à l'époque. Il il si on prend ça au premier degré, on va dire Ah ben voilà, il était déjà complotiste quand il dit qu'Hitler est mort et que les Juifs l'ont remplacé par un sosie et qu'ils et que ne se rendent pas compte qu sont en train de, que le sosie est en train de les mener à la, à la, à la, dé, à la défaite. Il dit ça aux Allemands. C'est à la fois hilarant et à la fois ça, ça peut. Ça répond même à quelque chose de, 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 de pourquoi pas, de juste historiquement, c'est-à-dire que, que, que Hitler s'est dédouplé en une espèce de fou apocalyptique qui a, qui a, qui a tout foutu en l'air, etc. Euh, vous voyez, c est, c est, c est, tout ça, il a tout. C'est pour ce que ça que je vous disais au, au début, il a tout partout. C'est-à-dire que dans la moindre formule, dans la moindre, dans la moindre attitude, il y, a, il y a tout. Il y a le, 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 le blanc, le noir, le, le, le rouge, le, le vert, euh, tout est à la fois contradictoire et hyper cohérent. C'est ça. Donc évidemment, il s'est laissé entraîner. Alors ce que j'ai appris récemment d'ailleurs, et ça c'est très, intér très intéressant, euh, c'est que euh, euh, quand on est en 41, alors donc il publie les, les, les Beaudrats. Alors 41, il publie les beaux draps, c'est peut-être en effet ce qui lui a été le plus reproché avec, je dirais, une certaine justesse. Euh, en effet, pourquoi faire les beaux draps en, bien que ce soit un, un, un merveilleux livre euh, que personne n'a lu toute la fin est extraordinaire. Et tout le passage sur l'enfance devrait être appris dans les écoles, partout. Et puis il y a toute l'histoire du, du communisme la biche, où, il, est, où, il, est, où il, est, il préconise que tout le monde devrait être payé 100, 100 francs. Et... Voilà, Ça a d'ailleurs été repris récemment par Dominique de Villepin, je vous signale, hein, dans un, un rebond de libération. C'est quand même curieux. Personne n'a fait le rapprochement. où Il dit que tout le monde devrait être payé, et après il fait ce qu'il veut avec la somme qu'il a. Il, fait, il devient peintre en bâtiment, charcutier, poète. Il fait ce qu'il veut. Bon, bref. Euh, ouais. Donc ça c'est ça c'est le ça c'est les Beaudrats. Euh, les Beaudrats, comme on est dans l'occupation, évidemment on lui a reproché parce qu'il n'était pas obligé qu'il ait, qu ait publié les pamphlets avant la guerre il euh, il savait pas ce que ça allait devenir. En plus il prévoit le il prévoit l'occupation. Il, 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 il aime pas les Allemands. Et, mais évidemment, pendant l'occupation, il publie les beaux draps et puis il accepte la réédition des, des pamphlets. Alors ça aussi, il y, a, il y a des raisons évidemment financières et, et stratégiques de la part de De Noël. Euh, comme c'est un bon filon, on va les rééditer quand même parce que les gens ne les ont pas lus. Euh, voilà, donc ça, c'est une, une faiblesse. Oui, c'est une faiblesse éditoriale, on va dire. C'est une faiblesse d'un du, 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 petit côté homme de lettres qui pouvait encore, euh, en résidu, euh, persister chez lui. Euh, mais ce qui est curieux, c'est qu'il est... Qu est D'ailleurs, euh, on, on en avait parlé de ça, c'est qu'il aurait pu aussi, aussi bien faire un pamphlet pendant l'occupation contre les Allemands. C'est-à-dire ce qu'il ce qu faisait en direct euh, quand, il, quand il était dans la vie de tous les jours, il aurait pu le faire en, en, en livre. Pourquoi pas un, un pamphlet terrible contre l'occupation des Allemands, contre Hitler, puisqu'il sentait bien qu'il qu allait, le, pas le décevoir, mais qu'ils avaient perdu la guerre. Puisque lui, dès, dès 1940, il savait que les Allemands avaient perdu la guerre. Donc il sentait bien ça. Donc, ça aurait été quand même intéressant d'avoir tout à coup un pamphlet anti-allemand, anti anti-nazi, signé par Céline dans les années 40. Alors là, il aurait été absolument euh, euh, lavé et on, aurait, on lui aurait complètement pardonné ces pamphlets d'avant-guerre, puisqu'on voyait un peu comme Bernanos, vous voyez, Bernanos qui, qui n'a pas hésité à, à, à écrire contre son camp, contre. Quand son camp lui paraissait euh, euh, commettre des fautes irréparables, euh, par exemple la guerre d'Espagne, il, il s'est mis tout le monde à dos, tous les, tous les monarchies, les royalistes, tous les gens qui l'avaient euh, qu soutenu. Pourquoi pas D'ailleurs, Bernanos était, était peut-être le seul écrivain de son époque que Céline respectait et admirait profondément. C'est pas pour rien, on, on oublie souvent ça. Alors, ce que j'ai appris récemment, pour finir sur ça, pour la chronologie, vous voyez, c'est que lui, il n'a pas pensé tout de suite à partir euh, en 44. Euh, c'est Lucette qui a eu une vision. Euh, vous connaissez l'histoire. Elle, elle a rêvé un, 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 une nuit que, que tous les amis étaient fusillés euh, de Montmartre. Et puis au moment où on allait fusiller Céline, il n'était pas euh, devant le mur d'exécution. De, euh, et donc elle a eu cette prémonition. Elle a dit il est absent. Et donc il faut qu'il qu soit absent. Il faut partir. Et c'est elle qui l'a convaincu de partir. Lui ne voulait pas partir. Il était pas. Il, était, il, il pensait que ça s'arrangerait. Il était très pessimiste, mais pas forcément pour lui. Et puis comme c'était pas du tout un lâche, ni un, ni un, un trouillard, il n'avait pas l'intention de partir. Et on a là la preuve même, c'est qu'il avait pensé faire un autre pamphlet encore. C'est ça qu'on ne sait pas. C'est qu'après les beaux draps, il y en avait un autre qui était prévu. Et c'était un autre, là ça c'est mon interprétation, d'après le titre, parce qu'on ne connaît que le titre, ça, ça, ça aurait dû s'appeler Le drapeau à coulisses. C'est merveilleux comme titre. Donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que les gens changeaient de drapeau, ils sentaient le vent tourner. Et que ça aurait été un livre sur la libération. Parce qu'en 1944, ils savaient bien que ça allait être libéré. Et qu'il y allait avoir... Ils ne prévoyaient peut-être pas l'épuration, mais quand même, oui. Donc vous imaginez le livre qu'il aurait pu écrire sur Paris libéré. Bon, il ne s'en serait jamais sorti parce qu'on l'aurait zigouillé à, à avant. Mais... Euh, euh, et montrer à quel point les Français, toujours... Parce que c'est quand même la cible, c'est toujours les Français... Et ce pas pour rien. Les Français, ce peuple veulent lâches, collabo, ignobles et, et, et dégueulasse, eh bien, c'est pour ça qu'ils auraient, auraient changé leur drapeau. C'est-à-dire que c'est ce qu'on qu appelle la résistance de la 25e heure. Ou enfin, vous voyez, cest les types qui étaient pour Pétain le, le, le mardi et qui deviennent pour De Gaulle le mercredi. Ça, c'est complètement... C'est tout à fait... D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Donc, il avait senti ça. Et donc, ils changeaient leur drapeau. Le drapeau à coulisses. Vous imaginez Déjà, ça ça, ça, ça lui aurait fait du bien, Mais bon, après, l'histoire a voulu que ça, ça dévie autrement, on sait, on sait pourquoi il est parti aussi. Il est parti pour l'or aussi, quand même. Ça, on oublie toujours ça. Hein Alors, tout est explicable chez Céline, c'est ça qui est merveilleux. Quand il part en 1942 à Berlin, on dit « Ah oui, il est allé là-bas pour voir les Allemands, parce qu'il aimait vachement le nazisme ». Pas du tout. Il y va avec jean paul quelques jours pour remettre la, la, la clé de son coffre pour le Danemark à Karen Marie Jensen, une copine danseuse qui est de passage à Berlin. Voilà la raison. Autre diffamation, euh, on dit, vous avez, il y a un petit tract qui circulait à Meudon pour charger Céline, euh, pour dire comment on peut, la, notre bonne ville de Meudon peut-elle accueillir une ordure pareille. Euh, et puis euh, on disait parmi les griefs, il a connu Grimm, le, le patron de la Commandantour à Rennes. Euh, donc ce n'est pas pour rien qu'il allait le voir, etc. Alors pourquoi il allait voir Grimm de la Commandantour le, 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 Je ne connais pas son titre en allemand. Il faudrait demander à Jonathan Little. Euh, eh, bien, eh bien, Lucette me l'a dit. C'est tout simple, parce que Grimm était descendante de, des frères Grimm. Et, de, et les contes de Grimm, et on connaît toute la, toute l'adoration la, 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 de Céline pour les contes, les, les, la féerie. Et, et, et il, il allait voir Grimm pour discuter de ses ancêtres sur la, la belle au bois d'Armois, Blanche-Neige, et après il ressortait, ça durait dix minutes. Il n'allait pas dans la commande d'entour de, 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 de Grimm pour aller dénoncer des juifs ou des résistants. Il n'a jamais fait ça, ça ne ça, ça, ça ça serait même pas venu à l'idée. C'est le contraire de, le contraire de, 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 de sa nature. C'est ça qu'ils ne savent pas. Complètement con. Mais c'est est débile. Sartre est, un, Sartre est un gros con, déjà à la base. Un, un abruti, un, un, un idiot, déjà, un idiot. Pas seulement de la famille. Un universitaire, un, 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 un raté au niveau littéraire et au niveau artistique. Voilà. Et on connaît toute l'histoire avec Céline. Il le dit lui-même et ça a été prouvé. Il dit même qu'il lui faisait des pipes. Pour, euh, symboliquement, pour que Céline se déplace et voit ses, sa pièce Les, les, les Mouches euh, pendant, pendant l'occupation. Euh, il a même écrit une, une pièce antisémite carrément, lui-même, Sartre. Euh, il, a, il a adoré Céline euh, même avant Bagatelle. Hein. Il a pris en exergue un, un extrait de l'Église. Euh, euh, voilà. Et puis ensuite, quand il a vu qu'il était très jaloux du succès et de la, et de la, de la puissance. De, de céline. et après, la, quand il a vu que l'autre était complètement au fond du trou et qu'il était euh, condamné à mort, alors là il a repris, il a repris du poil de la bête et il a, il a voulu euh, euh, bah, se placer, et comme il voyait qu'il était la vedette du, du, du misérable petit existentialisme euh, de, la, de la fin des années 40 euh, à paris, euh, il n'a eu qu'une idée, c'est attaquer céline d'une façon la plus basse. comment on peut imaginer que céline a été payée par les nazis ou qu'il a été ou euh, euh, collabo ou quoi que ce soit, par, surtout par vénalité? C'est le contraire même de, 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 de Céline. Son rapport à l'argent est quand même d'une autre classe, d'une autre dimension, beaucoup plus belle que, que d'être simplement euh, euh, traité de vénal. Euh, L'avarice n'est pas la, vanali, la, la vénalité. Mais quel rapport à l'argent, à Céline, selon vous eh bien, je dirais que c'est un rapport byzantin. Alors, vous allez dire que c'est moi qui vois ça, j'interprète tout euh, à travers mon, mon prisme personnel de grec. Mais euh, euh, par exemple, l'idée, et Lucette aussi le Dieu dit bien, cette espèce de, de, de fascination pour l'or en, euh, en tant que beauté, en tant qu'objet aussi, de sa valeur. Elle disait il pas d'enterrer son or, de le déterrer, de le réenterrer, de, de le ressortir, de le donner, de le mettre dans un coffre, de le, de le mettre dans une boîte, de le mettre dans un jardin. De le demander. Et puis. Vous imaginez que quand il est parti, il a retiré son or, justement ses pièces d'or, qui étaient des louis d'ailleurs, hein, comme par hasard, des louis, euh, de, la, de la banque. Et il est parti euh, à Sigmaringen en se faisant coudre le, les pièces d'or sur lui. Il était couvert d'or. Il était couvert d'or. Et donc, ça, ça répond à, la, à, la, à, la, à, à, sa, à sa tenue vestimentaire aussi de Meudon. Donc, on passe de, de, de l'empereur byzantin complètement doré, horrifié. Euh, qui, qui est aussi lumineux que s'il avait eu une, une auréole, euh, que, comme on voit dans les icônes. Il était complètement iconé, auto-iconisé, Céline, euh, quand il est parti à Sigmaringen. Il avait le chat, euh, le manuscrit de Guinness Band, et, 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 et il avait des pièces d'or partout sur son corps. C'est fabuleux. Et après, il devient un mendiant. C'est ça qu'il faut voir. C'est il il, il, exprès qu'il s'habille qu comme ça. Tout était très calculé. C'était et puis après il y avait aussi le côté biblique parce qu'il est très biblique. D'ailleurs, je vous dis, le Bagatelle c'est entièrement des livres de prophètes euh, bibliques. C'est cette tonalité-là, c'est là la vraie référence littéraire et, et aussi euh, religieuse. Et à la fin, il veut être le Juif lui-même, le Juif, mais le, un Juif d'opérette, on va dire, un Juif euh, tel qu'on se le représente dans la, dans la Bible, c'est-à-dire un, un, un Juif errant mendiant sur les vastes espaces de la Terre sainte. C'est de cette façon-là qu'il se présente. Il ne va pas s'habiller en, en, en homme littéraire, il ne va pas s'habiller en, en écrivain. Donc c'est pour ça qu'il a, il a inventé ça, il a inventé ce rôle-là, un de plus, et, et, il, et il savait très bien que pour la postérité, ça allait devenir une star. Parce que c'est ça, c est, c est, il avait un sens de, de l'image tellement forte qu'il savait que... Que plus, que plus tard, on ne reconnaîtrait, on, on, on chercherait, d'ailleurs, on, on en est tous là, rechercher une photo euh, inédite, un bout de film où, euh, où il apparaît, où il parle. Voilà. Justement, quand il, est, quand il arrive à Meudon, est-ce que justement, il ne crée pas cet espace séminin où il va évoluer et qui va marquer un petit peu euh, la, 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 les mémoires, euh, les souvenirs Il se crée son personnage et son décor. Pour pouvoir. Qu Alors, il se, il, quand il arrive à Meudon, il, il se crée son personnage et son décor. Qui est le décor du narrateur. Parce que euh, n'oublions pas que les, les, la trilogie finale, euh, le, ce sont des flashbacks euh, qui, qui, sont, qui arrivent avec, euh, avec un certain flux pulsionnel, qui lui reviennent comme des, comme des, des crises de paludisme. Mais ça part d'un narrateur qui est à Meudon tout se passe à Meudon finalement. À un moment donné, il s'en va, il fait une petite, petite incursion chez Gallimard d'ailleurs avec Marie Canavaggia dans Nord. Il va avec elle voir euh, sur place le, le, les éditions Gallimard pour, pour un peu les bouger. Et puis euh, Gaston, enfin Achille est à sa le son de trompette et euh, il, il s'occupe pas des écrivains. Il a autre chose à faire, vous voyez donc. Euh voilà. Et, donc, et donc, il revient à Meudon et ça dure quelques pages. Mais sinon, il ne bouge pas de Meudon. Donc, ce personnage qui doit parler de Meudon, vous voyez, et qui doit se souvenir de tout ce qui est arrivé, euh, donc pendant cette période-là de, euh, de, de, de l'Allemagne, il faut bien qu'il soit, il soit quelqu'un. Et avec ce quelqu'un, il l'a construit. Ben, ce quelqu'un, c'est le pauvre qui pue, comme il disait. C'est le, 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 le type détruit en haillons qui, qui parle exprès d'une façon saccadée et un peu vieillarde alors qu'il n'était pas du tout comme ça. Lucette nous l'a confirmé. Il, est, il parlait très fort, il avait une voix toujours puissante, même à Meudon. Quand il lui disait descends pour qu'elle vienne dans son bureau pour qu'il lui lise les chapitres il lui lisait chaque chapitre, enfin chaque séquence de, de la trilogie pour voir sa réaction et surtout pour les, les, les moments émouvants pour voir si elle pleurait ou si elle riait euh, c'est à travers son visage et la réaction de Lucette qui d'ailleurs ne, ne, ne disait rien elle ne, elle ne faisait pas de commentaires, mais la façon dont elle réagissait à la sonorité de sa voix et à la façon dont il l'avait retranscrit retransposé la vie qu'ils avaient vécue ensemble et elle était la première témoin et eh bien c'est ça qui lui permettait d'avancer et de savoir qu'il était dans, le, dans, la, dans la bonne tonalité musicale de sa page Est-ce qu'il a conscience que... Le chroniqueur, il, il, il écrit au fur et à mesure, lui, avec retard, et il fait la chronique de la, du, troisième Reich, du troisième Reich Mais il se veut chroniqueur, est-ce que c'est pas une manière aussi de dire Moi, je suis pour rien dans tout ça, je fais que vous rapporter, je suis pas partie prenante de tout ça Non, le mot chroniqueur, lui, il l'entendait à la, à la, comme euh, Joinville. Avec, voilà, parce qu'aujourd'hui, chroniqueur, ça ça, c'est autre chose. Chroniqueur, c'est Nicolas Bedos ou Stéphane Guillon, vous voyez, on est, on est quand même très loin du compte, là. Donc, euh, chroniqueur, ça a été un peu transformé comme mot. Non, ce qui veut dire, c'est oui, c'est mémorialiste, mais, euh, mais toujours, oui, toujours, euh, toujours, toujours, toujours voyeur, acteur, mais voyeur d'ailleurs. Vous, vous remarquerez dans la trilogie, il compte, même dans les romans précédents, mais dans les, il est toujours en, en, en recul par rapport à l'action. Il il est, il est un regard d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait imaginé euh, euh, en, quand on parlait avec Jean-François Stévenin de son adaptation de Nord pour, lequel, pour laquelle je, je lui avais présenté Lucette finalement ça ne s'est pas fait à la place j'ai fait un livre sur le film qui ne s'est se, pas fait euh, Eh bien on, on en était arrivé à l'idée avec euh, Lucette d'ailleurs en, en parlant avec elle que c'est le film lui-même qui devait être Célinien lui-même n'avait pas besoin de parler l'acteur qui aurait interprété Céline parce qu'il il fait très peu de choses dans, les, dans, les, dans la trilogie vous voyez, il n'a pas de grandes scènes. Par exemple, la, la, la scène de, de, chez Abetz, vous savez, pendant l'occupation, où, où là vraiment il fait un grand numéro. Tous les témoins qui parlent de lui, où il pouvait euh, être très euh, volubile, et euh, ça c'est des témoins qui, qui l'ont vu et qui peuvent le, le, le rapporter. Mais lui, dans ses livres, il ne se montre pas du tout comme ça. Dans ses livres, il se montre comme juste observateur. Il dit rien. Euh, et, et c'est les autres qui sont délirants autour de lui. C'est le monde autour de lui qui est Selingia. Mais lui, il n'est pas Selingia. Dans le bon sens du terme, je parle. Oui, mais même, même dans le bon sens du terme, il ne l'est pas. Quand il est, c'est le Vigan qui fait le, qui fait l'excentrique. Le, le, il est aussi, aussi réservé que Lucette et Bébert, Ils sont tous les trois des observateurs de cette épopée en Allemagne. Et c'est ça qui, qui est, magnifique. Donc s'il y avait un film qui doit se faire, on ne doit pas voir un type agité. Euh, à la limite, il faudrait presque en caméra subjective. Euh, et et c'est son regard qui transforme tout en célinerie mais lui-même, il, 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 il n'a pas à, à, être, euh, à être partie prenante en tant qu'acteur. En revanche, si on fait un film sur Céline, à Sigma Rinden, par exemple, si on, alors là, là, il faudra vraiment un acteur qui soit à la hauteur dans sa, dans sa façon de, de bouger, dans sa présence. Mais si on fait un film d'après Céline, il faut que ce soit le, le film qui soit Célinien, pas l'acteur. C'est l'évidence. Ce sont des évidences la pour. Euh... Là, alors, si quand il dit qu'il faut mettre sa peau sur la table, c'est l'évidence, c'est ce que tout écrivain devrait faire. C'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir vécu ce qu'on a à raconter et à, et à écrire. Il faut, le, il faut que ce soit pas gratuit, comme il disait. Voilà. C est, c est... Donc, c'est un lien avec ce qu'il écrit dans The Good que Dans l'histoire des temps, la vie des Wise, la vérité, c'est la mort. C'est un rapport direct. Hein, la, la, pause la, la, peau, la, table, la peau sur la table. La peau sur la table, c'est. Euh... C'est l'équivalent de ce qu'on disait tout à l'heure sur le recouvrement de l'autobiographie. Voilà. il faut que ça soit vécu, il faut que les choses aient, aient, aient vraiment été observées par soi-même. Il ne faut pas qu'il ait, de, 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 ça doit pas être d'une seconde main. Voilà, c'est euh, tout, tout ce que, tout ce qu'on doit écrire quand on est un, 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 un vrai écrivain doit venir de, de ce qu'on a vécu. C'est très important, même si c'est rien ce qu'on a vécu, même si c'est pas grand-chose, n'est pas grave. Mais il faut que vraiment qu'on qu qu soit allé sur le terrain des choses, voilà. Et non pas qu'on en ait entendu parler. Et s'il y a bien quelqu'un qui est allé sur le terrain des choses, c'est bien lui. Et même, je vous dis, il s'est mis dans des situations pour être obligé d'aller sur le terrain des choses. Euh, parce qu'il n'était pas obligé de faire tout ça. Rien ne le, rien le, le prédestinait à faire tout ça. Donc même quand il est parti à Sigmaringen, d'aller se, se, se foutre avec ces mecs-là, qui étaient plus que mouillés, et plus que grillés, plus que, plus que maudits, et d'aller quand même... Euh, alors qu'il avait l'occasion d'aller en, en Espagne, ça c'est sûr, et peut-être même à Londres d'ailleurs, c'était était, était possible. Donc, il, 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 avait, il savait aussi que ça allait lui apporter une matière littéraire euh, incomparable. Il prévoyait déjà la, la, la trilogie au partir du moment où il a pris le train le 17 juin 1944 la de la gare de l'Est. Moi, j'en suis persuadé. Il savait que justement, il avait presque recouvert tout. Bon, il a abandonné plus ou moins les, les projets de Caspipe et tout ça, mais il disait. Euh, maintenant, je vais remettre le compteur à zéro de mon autobiographie. On va voir ce qui va se passer. J'ai fait tellement de trucs qui vont me porter euh, préjudice. Je vais être tellement dans une merde future. Allons-la voir, cette merde. Allons-y. Plongeons-nous-y. Pour, euh, pour de toute façon, j'en ressortirai de l'or. On revient encore à l'histoire de l'or. Il savait qu'il allait. Qu allait euh, et qu'il fallait aussi qu'il protège sa vie uniquement pour pouvoir écrire. Parce que quand on l'a dit, c'est un lâche, il a fui. C'est pas comme Brasillac qui lui est arrivé. Il disait Brasillac, qui fait partie C'est comme l'agneau qui court après le boucher pour que pour qu'il pour qu'il quoi. Donc il, a, il avait pas cette bêtise masochiste. Et puis il n'a pas fait. S'il a fui, c'est pas parce qu'il était. Il avait peur physiquement. Puisque je vous dis, il avait pas peur physiquement. Lucette le raconte beaucoup. Dans des, il, il pouvait arriver à, 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 à séparer des voyous qui se battaient au couteau dans Montmartre hein, sans problème. Il y allait sans, 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 Il était absolument pas. Euh, Autant il était douillé pour les autres, elle dit il n'arrivait il il pas à arracher un pansement d'un genou blessé d'un enfant, autant pour lui-même, il n'avait aucune douilletterie. Il était très courageux physiquement. Mais s'il l'a fait, c'est pour protéger, parce qu'il faut bien protéger le, le, la personne qui va écrire ce qu'il va vivre. Donc à un moment donné, on est obligé de faire un peu attention à soi. C'est pour ça qu'il a, a écouté, à juste titre, Lucette, qu'il a forcé à partir. Voilà. Et partir comment et où ben Là, il a fait le mauvais choix, on va dire, c'est Marguerite, mais n'oublions pas qu'il est parti vers le Nord, pour l'or. Le Nord pour l'or. C'est pas pour, euh, c'est pas pour être avec les collabos, qu'il méprisait et qu'il n'arrêtaient pas de, de désinguer et de déprimer, puisque tous ces types-là, eux, ils croyaient, avaient la foi au premier degré, c'était des militants. Céline n'est pas un militant, n'a jamais été, il est contre le militantisme. Ça, c'est très important aussi à dire. Donc il ne faut pas le comparer avec un militant, il n'a d'aucun parti. Il est... Il... Il n'est d'aucun parti, il a fallu qu'il rende des comptes à la libération. Euh, Est-ce que ce, le, les poursuites euh, qui ont été engagées contre lui et le résultat, c'était un procès escamoté euh, Est-ce qu'il euh, est qu a été euh, justement condamné ou injustement condamné Qu'est-ce que vous diriez là-dessus sur cet ensemble de dispositifs judiciaires auxquels on, on peut quand même dire qu'il a quand même échappé bah, tout, tout le monde sait que c'est le Danemark qui l'a sauvé. C'est-à-dire que le Danemark, en, en, le, en le gardant et en refusant de l'extrader, euh, lui a permis d'être sauvé. Alors évidemment, il a payé cher de neuf années d'exil et de souffrance, mais, euh, et de la prison avant, bien sûr, mais euh, tant mieux. Euh, là encore, il, a, il, est, il, est, il est béni des dieux, si vous voulez. Il y a un ange qui le, qui le surveille. Euh, la condamnation, c'est une condamnation qui ne pouvait pas tenir, puisqu'il n'y avait rien dans son dossier. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on pouvait lui reprocher d'avoir écrit des, des pamphlets avant-guerre Bon, ça, ce n'est pas recevable. Ou alors d'avoir publié, réédité les pamphlets euh, qui pouvaient donner de mauvaises idées ou encourager une politique d'antisémitisme, de, 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 voilà, hein, pour, pour cadrer les choses. Voilà, c'est ça qu'on pouvait lui reprocher. D'accord, ok, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, après ça, est-ce que ça mérite la mort Est-ce que ça mérite d'être fusillé euh, ou d'être exécuté rapidement Qu'est-ce qu'il a fait par rapport aux, aux autres Rien. Il n'a rien fait, il n'a il a, il a, il a, il a jamais commis un seul acte dit antisémite ou collaborationniste, jamais. Quand il, a, quand il est allé à l'Institut des, des Affaires Juives, là, il, a, il, a, il a insulté les mecs, il a dit que la, la connerie arienne, ça n'existe pas, et, il a, et voilà, il a toujours été très, très non, détaché non, mais, de il a, ça. Il y a une historienne qui vient de sortir euh, du Rafour qui a sorti un article pour expliquer, pour expliquer nommément des dénonciations précises de, de gens, alors on lui reproche mieux les dénonciations de décès. Dénonciation de ah ben ça on sait, alors là, là c'est très clair... Bon, vous aurez quelqu'un qui vous racontera parfait. David Aliot connaît très bien l'histoire. Il, il explique très bien. Euh, vous lui demanderez à, à lui, ou vous l'avez sur Internet. Il démontre complètement l'affaire Desnos. C'est du bidon complet. Donc, là, euh, donc je ne vais pas vous la raconter. Mais tout est faux. Donc voilà, c'est très simple. Donc moi, je, moi je, vais, je vais plus loin. Je vous dis, c est, c est tous, tous les gens qui essayent de, mettre, de faire porter à Céline le chapeau d'une quelconque collaboration ou d'un quelconque antisémitisme effectif, qui, euh, euh, ce sont des menteurs. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est en dehors de la littérature. Je ne vous parle même pas de... De, 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 de toute façon, la dimension qu'il qu a est tellement énorme que, que, que quoi qu'il aurait pu faire, il serait pardonné, mais il n'a rien fait en plus. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un salaud. Donc, c est, c est, et ça, ça prouve bien ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il n'a pas fait des petits trucs de salaud, mesquin, en douce et à la fois, c'est un génie. Non, il ne les a pas fait, ces petits trucs mesquins en douce, parce qu'il ne peut pas les faire, puisque c'est un génie. Ceux qui font le procès aujourd'hui de Céline ne connaissent pas le dossier. Le dossier qui est d'ailleurs vide euh, sur le plan juridique et complètement plein sur le plan littéraire. Personne n'a lu ces pamphlets, personne ne les remet dans leur contexte, personne ne les connaît. Voilà. C est, c est... Alors, il y en a un avec qui je parlais de ça, je, je l'ai rencontré une fois ou deux à Meudon, et Lucette m'a dit qu'avant, ils en parlaient beaucoup. Elle me dit le seul qui a vraiment que, compris les pamphlets, c'est Brami, Robert Brami, hein, pas Émile Brami, le naze là. Non, non, moi je parle du vrai Brami, celui qui était à Meudon, un cardiologue, voilà, qui, qui était très proche de Céline, et juif, et, et qui connaissait très bien Céline, et qui, qui avait très bien compris les pamphlets, au point que Céline disait de lui c'est le seul qui a compris mes pamphlets. Quand il disait ça, dans les années 50. Hein. Oui. Donc le, le procès, pour revenir au procès euh, juridique, euh, vous savez très bien comment il a été sauvé, c'est Tixévignoncourt qui a eu cette idée de, de, de faire passer son dossier sous le nom de Détouche, et le juge n'a pas fait le rapprochement, et hop, amnistie, c'est comme ça qu'il a pu être amnistié et revenir en France, euh, grâce à son pseudonyme, grâce à cette, cette dualité aussi, c'est ça, ça qui est beau. Bien sûr. Alors, encore une fois, pour rendre, pour rendre hommage à, à Lucette sur son, parce que c'est ce loin d'être la petite danseuse et cervelée qui n'a rien compris à la vie et, à la, et même aux choses graves, tixier Vignancourt euh, est venu voir Céline, qui était son avocat, est venu le voir à, à, au Danemark et l'a convaincue de rentrer avec lui. Même tixier euh, Vignancourt, qui était quand même un, un super pro penser dans les années, je ne sais pas, là je parle de, ça doit être peut-être 48, quelque chose comme ça, penser que c'était possible qu'il revienne et que finalement ça allait s'arranger. Et, euh, et il lui a dit, ça y est, j'ai le, 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 le billet d'avion dans la poche, on y va, on, on rentre et on va voir ce qui se passe, on va faire le procès sur place avec vous. Et il était tellement nostalgique de la France, il était tellement euh, détruit par, de, 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 par son absence en France ou, ou l'absence de la France en lui, plutôt, qu'il qu était prêt, il a dit on y va. Il s'est levé et c'est Lucette qui a, qui, a, qui a dit alors là, là il faut alors, vous, vous, me, tu y vas sans moi il faut me faudra me tuer avant on ne part pas on reste là dans la chaumière déglinguée froide du Danemark on attend une réelle amnistie qui vienne de là-bas sinon si tu y vas tu vas direct à freine et ils, ils vont te faire un procès ils vont te fusiller même en 48 et elle avait raison elle, avait, elle a bien eu raison d'attendre Oui, oui. C'est Ces -ce ou... le cas, c'est le cas isolé. Mais c'est mérité, c'est le, le plus grand. Voilà. Est-ce est que, est que, est que Jésus est un cas isolé dans l'histoire de, de la religion de, de, de tous les temps Antiquité comprise jusqu'à. Bah ben oui, c'est pareil. C'est un cas isolé et mérité, parce que c'est le plus grand. Donc le plus grand a droit à tous les honneurs et à, et à tous les déshonneurs. Voilà, c'est de cet ordre-là. Est-ce que... Mmh. ah bah oui là, là, mon, mon admiration comme, comme, je suis quand même obligé de reprendre aussi vos termes qui sont pas forcément bien mon admiration dite outrancière pour Céline m'a évidemment étiqueté tout de suite dès mes 25 ans quand je me suis passé à, à apostrophe et que, et que, et que j'ai eu la consécration d'être frappé par Georges Marc Benhamou, euh, sur les, les plus ou moins sur les ordres de Bernard-Henri pour me faire taire à cause de justement de la, il était inadmissible qu'un jeune homme Enfin, on, on estimait que j'étais un jeune homme, mais moi, pour, à 25 ans, je m'estimais déjà très vieux, puisque je connaissais déjà Céline depuis 10 ans, au point de vue lecture et, et connaissance approfondie des choses. Donc euh, voilà, mais évidemment, le, venir le défendre aux yeux de tous à 25 ans, sans faire aucune réserve, et en disant déjà ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que Bagatelle pour un massacre est un chef-d'œuvre de la littérature, qu'on découvrira quand il ressortira. Et là, on sera bien obligé de le reconnaître, je ne serai pas le seul à, à le dire. Eh bien, ça m'a collé toutes les étiquettes, donc évidemment, tout pareil, euh, antisémite. Euh, euh, Nazion, euh, etc., etc. Voilà, c'est tout ça, mais ça n'a aucune importance. Ça, tout, tout ça n'est absolument pas grave. Au contraire, c'était. Je pense qu'il y a au, au fond, au fond de tous ceux qui, ça, ça sera quelque chose de très profond à analyser un jour. Il y a, il y a une volonté, évidemment, d'être publié et d'exister comme écrivain. Je l'ai senti moi-même euh, quand j'ai commencé. Mais il y a un tel dégoût pour le milieu littéraire et ce qu'il représente que qu'on peut aller très loin pour échapper à ce milieu et pour le et pour le, le, le combattre dès le début, la preuve. Vous euh, voyez, dès le début, même euh, d'une certaine façon, moi, je l'ai combattu plus rapidement, parce que j'avais eu l'expérience de Céline avant, que lui ne l'a fait avec le voyage. Où là, il y croyait encore. Il est allé rendre visite à des jurés, il a fait des lettres, il a suivi les conseils de De Noël, Léon Dodé, tout ça, pour avoir le concours. Pour... C'est pour ça que la chute a été beaucoup plus brutale après Mora Credi. Il y croyait encore un peu. Jusqu'à il est, il, il, il était quand même content de s'inscrire dans le, dans le militaire. Alors, il faut re replacer ça dans le contexte des années 30. Lui, il, avait, il était déjà vieux. Moi, c'est pas pareil à 25 ans, volontairement j'ai voulu, euh, on va dire faire de la provocation, mais c'était, c'est pas une provocation c'est pour détruire ce milieu qui est nocif qui est nuisible, et c'est pour ça que j'en suis arrivé à faire de l'anti-édition c'est pour ça qu'encore aujourd'hui on, on m'attaque à la une du monde comme, comme en me reprochant de faire moi-même la promotion de mes livres alors que la, la, les mêmes personnes me censurent pour qu'on ne parle jamais de mes livres donc ça prouve bien que, que là, là, je, je continue à ferrailler, et je continue à, les, à leur poser un problème. Mais ça, c'est tous les écrivains euh, qui sont dignes de ce nom, qui se, qui se, à la fois qui déboulent dans le milieu littéraire et qui veulent s'en détacher tout de suite et qui veulent leur, 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 se défendre contre ces, contre ces gens qui sont les ennemis de la littérature. Et dans aucun milieu, c'est aussi violent que ça. Euh, même dans le cinéma, où c'est très très pourri aussi, euh, il y a moins de. Le, 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 les, les gens de cinéma ne sont pas constitués en une sorte de, 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 de caste dont la volonté est d'attaquer le cinéma et de, et de faire tout pour qu'il n'y ait pas de cinéma. Vous voyez, ça, ça, ça arrive. Mais dans la littérature, ça, ça a toujours été le cas, depuis, depuis des centaines d'années. Euh, depuis l'avènement la, depuis la, de, 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 des critiques. Et ce sont ces critiques que lui appelle juifs. Qu'il a attaqué aussi dans Bagatelle. Relisez le début de Bagatelle. Ça, ça commence comme ça. Il s'en prend aux critiques qui l'ont attaqué en tant que critique. Et après, il dévie sur les juifs. Et après, après c'est trop tard. Il les a appelés juifs. Il faut bien, il faut bien continuer à faire de la surenchère s'il veut continuer à rester le Céline outrancier, délirant, surenchérique qu'il est. Est-ce que votre admiration est pas un obstacle aussi pour l'écriture Est-ce que ça pèse pas quand on est aussi habitué de vous, vous l'être par Céline Pas du tout. Pas du tout, parce que je vous rappelle que, je, que, que, que Céline est très important dans ma vie, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres, même d'autres écrivains, mais surtout la musique, la peinture, la sculpture, le cinéma. Tout ça m'a nourri autant que Céline. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est directement. Il y a vraiment des gens de très mauvaise foi qui pourraient me, 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 enfin, me cataloguer parmi les, les, les imitateurs de Céline. Donc ça, ça dès, dès le premier article du Canard enchaîné en 1984, vous voyez, euh, c'était Dominique Durand qui l'avait écrit. Il avait tout de suite fait la, la distinction. Je ne suis pas du tout un, un épigone. Et justement, j'ai fait très attention à ça. Euh, et, et ça, c'est grâce à tout mon background de dessinateur d'humour, de, de peintre, de musicien de jazz, que je vous dis que je suis arrivé très tard à la littérature. Euh, moi aussi, j'avais eu ma période... Lui, c'était de, de, de la médecine et la, et la vie euh, des voyages. Euh, et moi, toute proportion gardées, bien sûr, c'était d'autres rencontres et une autre vitalité, d'autres choses que, que j'ai vécues d'une façon très mature par la, chose, de la force des choses et par mon caractère quand j'étais jeune. Et donc, ça m'a habité, tout ça, ça m'a nourri jusqu'au moment où j'ai écrit mon premier livre. Ça ne vient pas de nulle part. C est, c est pas, Je suis pas un étudiant qui, tout à coup, arrive à 25 ans et écrit un livre, au Régale des vermines, et passe à apostrophe euh, après avoir fait Sciences Po, vous voyez Qu'est-ce que euh, vous n'avez pas dit sur Céline, que vous auriez envie de dire, mais on en arrive après à, à la fin d'entretien. De Mon camarade aura peut-être des questions à vous. Aussi. Et qu'est-ce que vous. Non, ça ne me vient pas. Posez-moi plutôt des questions, parce que. C'est de la poésie. L'insulte est de la poésie. Fait partie de la poésie depuis, depuis toujours. Je, je répète encore, je vais, je vais avoir obsédé, mais Jésus, il insulte. Euh, lisez l'évangile, il insulte des gens. C'est magnifique. C'est profond et c'est vrai. Et ensuite, après tout, alors vous avez toute la littérature, de, toute la grande littérature. Il y a des, il y a des tirades entières dans Homère, de, 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 des insultes dans, les, dans, les, dans, tout, dans tous les grands livres. C'est très important. Parce que l'insulte, c'est une, une façon de vouloir raccrocher l'autre aussi à. C'est une sorte d'amour de, de, inversé et, et mise en poésie suprême, si vous voulez. C'est. Euh, voilà. Je t'aime, espèce de connard. Euh, C'est ce, ce que disent euh, des jeunes filles euh, euh, énervées par leur petit amie. C'est de tout, de tout temps. Est-ce que ce est pas aussi un moyen de sortir des choses euh, plus profondément que... bah oui, bien sûr. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais chez Céline, le, le, est, le, est, son clavier est, est, est total. Voilà. Et son registre est très étendu, et donc sa tessiture, sa tessiture, si on veut parler d'une façon vocale, est, est, est extrêmement étendue, très vaste. Donc l'insulte fait partie de ça, mais il y a aussi la préciosité, il y a aussi l'élégance, il y a aussi le il a aussi romanesque. Il a tout. Donc, trouvons, cherchons, moi je prendrai la question à l'envers, cherchons un domaine littéraire, ben, je dirais même artistique, moi oui, je vais même plus loin, euh, dans lequel il n'excelle pas. Cherchons, c'est tout, moi c'est tout ce que je dis. Et dans, les, et dans les autres écrivains, même les plus grands, il y a toujours un domaine où ils ne sont pas les meilleurs. Ben, lui, il est meilleur dans tout. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est devant ça Et Moi je vous parle techniquement, hein, je ne fais pas de, de romantisme ni de sensibilité, là, de, ni de sensiblerie, ce n'est pas, pas affectif ce que je vous dis, moi, c'est logique. Joyce est immense, mais il y a de, plein de trucs qui lui manquent. Il y a plein de trucs qui lui manquent sur le plan humain, de la profondeur du, de, 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 de ce qu'il dit, de, 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 du choix de, son, de ses deux grands livres, euh, même de la langue. Le monologue intérieur n'est pas tout. Le monologue intérieur magnifique euh, de, de, de Ulysse et qui, est, qui, est, qui, est, qui atteint son apogée dans le, dans le, à la fin avec celui de Molly, sans ponctuation, c'est grandiose, c'est intouchable. Mais Céline est allé plus loin. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus risqué ce qu'il a fait. Je parle au point de vue technique narrative, y compris Proust. Proust, magnifique, grandiose aussi, mais en dessous de Céline, pour moi, euh, sur le plan technique. Vous avez parlé tout à l'heure de la rivalité de Céline avec la Bible, du euh, moins de son rapport à la Bible. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez, en fait, de, de cette relation euh... Vous savez, tout écrivain de cette, de, cette, de cette envergure veut être en rivalité avec les plus grands textes. Et donc, le, le plus grand texte, c'est la Bible. Donc, il veut, être, il veut faire lui-même la Bible. Et donc, chaque, chaque livre, il fait la Bible. Tous les écrivains, on devrait penser ça, on devrait tous dire, nous devons refaire la Bible. Moi, je voudrais refaire la Bible. Voilà ce que devrait dire tout écrivain quand il commence ou même quand il finit. Le voyage, c'est une Bible. Mora Crédit, c'est une Bible. Même Mea culpa, c'est une Bible, une petite Bible. Mea culpa, finalement, n'est pas plus a à peu près la dimension d'un évangile. Vous prenez l'évangile de Luc ou de Jean, ben c'est comme Mea culpa. Et peut-être que ça dit autant de choses à voir. En tout cas, Bagatelle est une Bible. Évidemment, d'un château à l'autre est une Bible. C'est-à-dire que c'est la mise, c'est la vision d'un Dieu. Pour le, dans le, le cas de l'écrivain, c'est un Dieu, et la Bible, c'est Dieu, tout court. Voilà, qui, qui, qui voit le monde à cette façon, de cette façon, et qui, en, en montrant sa vision du monde, le crée, l'invente. Cette ambition biblique, est-ce qu'elle a un lien avec l'engagement de ces exact, tout à fait. Mais Le docteur Brami le disait, on en a parlé ensemble. Ouais. Bien sûr, ça serait très long, ça serait très long à développer, mais c'est tout à fait ça. Bien sûr, c'est une. Ben... Ben, L'idée c'est de, de devenir le, le, le prophète euh, d'un certain antisémitisme qu'avait d'ailleurs Jésus lui-même, parce que Jésus est antisémite, je ne vous l'apprends pas, euh, mais euh, au sens, c'est du terme, c'est-à-dire très élevé, pas au petit sens du terme euh, euh, connement raciste, à la débile de. Du, 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 je vous le répète du français ou du qui a peur de, de parce qu'il a, a peur du méchant juif qui va lui qui va lui prendre ses sous. voyez oui. -ce Voilà, c'est quand même ça dépasse de ça de quoi. Si c'est pour réveiller. C'est peut-être celle qu'avait Jésus. C'est à, à vérifier, bien sûr. Ça, ça nous amènerait très loin hein. bon. du côté du San bon. du sanédrin. À la, Non, mais parce que c'est non, non pas du tout. Je, mais c'est tellement vaste, ça serait tellement euh, là, il faudrait toute une émission et vous n'aurez jamais le temps de, de pouvoir. Euh, Consacrer ce sujet, qui le mérite. Mais j'en je, ai assez parlé déjà, hein, je, de, au cours de l'entretien, j'en ai beaucoup parlé. Et c'est vraiment capital, ça, je suis bien d'accord avec vous pour le dire. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. À la fois, les, les antisémites de, de son époque n'ont pas compris ça, et les anti-antisémites de notre époque qui reprochent à Céline d'avoir de, de, été soi-disant un antisémite normal, banal ou vulgaire, et qui s'est fourvoyé, etc. C'est aussi débile. Même là-dedans, il veut être le meilleur. Et donc, pour être le meilleur, il faut qu'il atteigne une dimension biblique et, et prophétique et, et messianique dans l'antisémitisme même. Qui, en plus, je vous rappelle, est, un, est, un, est, est vraiment le sujet de Bagatelle, mais pas uniquement. Il y a bien d'autres choses qui se rapprochent aussi, de, qui se rapportent à d'autres sujets dans Bagatelle pour un massacre. Il n'y a pas que l'antisémitisme, mais évidemment, il est central. Et c'est un antisémitisme biblisé, si vous voulez, qui est rendu de façon biblique et drôle, ce qui n'est pas toujours le cas dans la Bible. Lui, il a voulu faire une Bible drôle avec Bagatelle. Et Bagatelle, c'est quoi le but, but C'est une vengeance C'est un essai Ça, ça parle d'autre chose que de, de. Alors, Bagatelle, ça part comme une vengeance contre le milieu littéraire, contre la critique, la mauvaise critique de Moracrédit, et ça finit comme un appel. Euh, au, au, à ce qui reste de, 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 de lucidité au, au, au peuple européen, je dirais, pour ne pas se jeter dans la guerre qui va arriver. Voilà, et ça, c'est sincère chez lui. Voilà. Voilà. Alors, entre les deux, vous avez l'antisémitisme. Voilà. Je ne peux pas mieux vous dire. Donc, vous croyez vraiment à cet objectif euh, qui est pacifiste, finalement, de, de Ah, ça, c'est très important chez lui, de toute façon. Ah ben, ça, non, pas empêcher, mais dire, dire son avis là-dessus et essayer en tout cas d'éclairer les consciences pour que elle ne elle ne elle ne bascule pas dans le dans le dans le dans le pouce au cri, mais dans le guerre qui le débectait et ça c'est vraiment euh, personnel mais ça part il y a une chronologie d'ailleurs l'évolution de, de, de du, du texte vous la vous la voyez en le lisant ça part de, 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 ça part de ça ça part... il prend ce prétexte au début de bagatelle qui est complètement littéraire qui est romanesque est dire qui fait des il fait des, panf... des, 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 des balais euh, qui sont un peu, disons, nian nian qq, euh, euh, qui seraient d'ailleurs à réétudier. Et euh, il essaye de les placer, d'ailleurs ce n'est pas lui qui les place, c'est un ami à lui, juif, et il n'y arrive pas, et donc il s'en prend aux, aux soi-disant juifs qui auraient refusé ces, ces balais. Mais ces balais sont irréalisables. Il faudrait des moyens à la Cécile B2000 pour, pour, pour qu'on ait pu accepter ces, pan, ces balais. Et ces balais ne sont absolument pas... Euh, le, ce sont des prétextes romanesques pour mettre en route la machine que, que va devenir Bagatelle. Vous voyez Ce n'est pas réel. Il n'a pas, pas essayé de proposer ces ballets-là à l'Opéra de Paris qui les, qui les lui aurait refusés. C'est une, une mise en scène romanesque. C'est pour ça que moi je considère Bagatelle comme un roman. En tout cas, c'est vraiment le livre sur le plan romanesque qui est, qui est déterminant entre son écriture de, de, de voyage et de mort à crédit et puis la trilogie finale. Et ça passe par Guignol, c'est Ferry, mais c'est un laboratoire un laboratoire de langue, Bagatelle. C'est un, un, un grand laboratoire d'expériences romanesques. Il tente plein de trucs dedans. Il invente plein de choses. De là il se penche, qui va... oui, voilà, qui va. Le narrateur de, des livres suivants naît dans Bagatelle. Il ne naît pas dans Mora ni dans le voyage. Euh, on est encore avec Bardamu. Là, il n'y a plus de Bardamu à Bagatelle. C'est fini. C'est Céline. Et à peine le docteur Détouche, il doit être cité à peine, mais c'est Céline. C'est Céline en tant qu'écrivain des deux autres livres précédents. C'est un peu comme, euh, que vous voyez, la deuxième partie de Don Quichotte. Don Quichotte a pris conscience qu'il était Don Quichotte et qu'il était une star et qu'on faisait d'ailleurs des faux livres sur ses aventures. Et donc il prend la mouche et il veut montrer qu il est le, qui est le vrai Don Quichotte. Ben, c'est pareil. À partir de Bagatelle, c'est Céline qui prend conscience d'être l'écrivain du Voyage et de Mort à Crédit et à partir de Mayakoulpa même il, on peut le dire juste avant Bagatelle Mea culpa c'est la préface de Bagatelle et à ce moment là il décide d'être lui même euh, de prendre, c'est là où il met sa peau sur la table alors euh, doublement c'est lui en tant qu'écrivain des années 30 qui prend la parole et évidemment ça pouvait que, que faire du, du bruit il y a juste une chose je trouve un peu énigmatique chez Céline c'est son rapport au sexe finalement et ce côté Ça mmh. est avec Lucette Qu'est-ce qu que vous diriez de tout ça Ça fait partie. Ces son, fantasmes sont plus intéressants que les, les, les anecdotes pseudo-croustillantes que vous pourrez recueillir. Hein. Euh, euh, toutes les femmes en ont très bien parlé d'ailleurs. Et lisez les lettres à, à ses amis. Euh, dès qu'il a une aventure, il est très explicite sur les, dans les lettres qu'il envoie aux, aux femmes après, euh, ou avant, pour, pour certaines qu'il qui, qu essayait de conquérir. Euh, oui, il, y a, il y a un fantasme de femme en délire, quand même, toujours, qu'on qui, qu voit même dans les, les ballets, et puis aussi euh, euh, dans Ferry euh, une espèce de vision un peu, un peu à la fois cauchemardesque de, de bacchanal où les femmes seraient, seraient toutes sur lui, euh, en train de le, comme des goules, un peu, vous voyez, en train de l'aspirer, de le, de le vider de sa de son énergie de sa puissance des choses comme ça voilà c'est un peu ça qu'on peut voir voyez voilà en effet Ça, c'est autre chose. Là, On revient à la Bible plutôt. La persperme, c'est dans, vraiment dans le sens Dieu, quoi, dans le sens divin. C'est-à-dire que c'est lui qui a engendré tous les autres. C'est ça qui veut dire. Il n'y a, a pas de sexualité dans le persperme, non Pas dans cette formule-là. Non, non. Euh, mais les figures de femmes sont, sont, sont absolument euh, magnifiques, surtout quand elles sont anciennes et fantasmées. Parce que dans les, 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 les figures réelles, Lucette, elle-même, a, une, a, une, a un rôle très effacé euh, dans ses livres, mais par pudeur. D'ailleurs, il avait appelé Lucette, c'est Marie Canavaggia qui était une grosse jalouse. Ça aussi, on le, on, 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 Lucette me l'avait toujours dit, et tout le monde disait qu'on exagérait. En fait, ça s'est avéré exact. Il y a beaucoup de témoignages récents qui viennent de sortir, où on sait maintenant que Canavaggia a poussé très loin la jalousie. J'adore Canavaggia, d'ailleurs, hein, comme personnage. Elle est, elle est magnifique. Puis est, elle est très héroïque, mais elle a quand même. c'est parce qu'elle n'a pas supporté d'écrire le nom de Lucette sur une enveloppe euh, postée pour le Danemark qu'il s'est qu fait arrêter. Parce qu'elle elle, elle met dans la lettre, il lui avait toujours dit Vous écrivez à, sous le nom de d'Almanzor, pour pas que je me fasse repérer. Elle, un jour, elle a mis des touches, et c'est comme ça qu'ils se sont fait arrêter. C'est quand même énorme. Et elle met dans la lettre Excusez-moi, mais je ne peux plus, je ne peux plus euh, vous écrire sous le nom d'Almanzor, c'est trop douloureux pour moi. Voilà, ça, c'est intéressant. Et il, elle était complètement dans le délire. Elle avait une, une chambre chez elle avec un lit vide où elle disait C'est là, c'est Céline qui vient quand il dort, elle n'avait jamais, jamais mis les pieds. Elle était d'une jalousie folle et, euh, et a, 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 par exemple il y a une chose aussi que les séliniens ne savent pas ils disent toujours que c'est elle qui a fait tous les livres à partir de, de, de Bagatelle justement et, on crédit, même mais euh, d'un château à l'autre c'est pas elle qui l'a fait parce qu'elle ne pouvait plus venir à Meudon tellement elle était hantée par Lucette et elle a dit à Céline je ne peux plus venir alors il a fini par se fâcher avec elle, Céline. Et il était très attaché à la caméra déjà, mais il fallait, la... il fallait toujours dominer sa jalousie, c'était compliqué par lettre, on les voit bien dans les correspondances. Il... il essaye de la calmer des fois parce qu'elle devient folle. Elle était... C'est une vieille fille euh, corse qui était euh, totalement euh, en, en, jalouse quoi de, de, de la, fa... la réelle femme de Céline. Elle se considérait comme elle aussi, elle avait droit à être une, une des femmes de Céline, mais elle ne voulait pas être la dernière. Et donc, euh, Céline a fait faire d'un château l'autre par une autre secrétaire. Et Lucette m'a raconté ça. C'est pas Cénavajac qui a fait d'un château l'autre. C'est très intéressant à savoir ça. C'est son renouveau en plus. C'est le, le succès qu'il a à nouveau retrouvé, relatif mais quand même, à partir d'un château l'autre. Et Lucette a tellement eu de la peine, parce que comme c'est un grand cœur, de voir Cénavajac qui était morfondu de, de perdre Céline puisqu'elle n'était plus sa secrétaire, qu'elle a insisté auprès de Céline qui lui ne voulait plus la voir, pour qu'elle fasse Nord. Et c'est elle qui a fait Nord. Voilà. Et tant mieux.